chante Alléluia. Oui, oui, si. We praise the Lord. Merci Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, nous te disons merci pour ta présence. Merci pour nous avoir réunis ici. Merci pour ce que tu vas nous donner. Merci pour nos amis, Dr Thierry, Mesmer, Sister Olivia, qui vont nous aider à pouvoir te louer, à pouvoir t'accueillir dans nos cœurs. Nous te les confions, Seigneur, guide-les. Nous te confions toutes les personnes qui vont bénéficier de leurs enseignements, de leurs témoignages, de leurs paroles. Seigneur, que cette parole vraiment entre dans nos cœurs pour que nous puissions te louer. Loué soit Jésus à jamais. God is good and all the time. That is his nature. Wow. Ce soir, nous sommes heureux d'accueillir Sister Olivia, Brother Nesbitt,
Dr Thierry, qui vont nous animer une conférence intitulée « La force des témoins, the power of witnesses ». Et ce soir, nous sommes avec Dr Thierry. Et je ne vais pas tarder à le présenter. C'est un passionné du Saint-Esprit, un passionné de la parole de Dieu. On s'est rencontrés sur Zoom il y a quelques mois et on a lancé un pari de pouvoir vraiment l'amener ici parce que c'est son ministère d'annoncer la parole de Dieu partout dans le monde, là où il peut. Donc il est venu de l'Afrique du Sud avec ses amis, ses frères et sœurs, Sister Olivia et Nesbert, pour nous partager sa passion, pour vraiment nous aider à goûter comment Dieu est bon. Je passe le micro à mon frère Eric Gatera pour qu'il introduise en anglais. Merci. Thank you. You may have your seat. Welcome. I will just say in brief what Father Raphael has just said. You're welcome for this conference. It's a three-day conference. And a couple of months ago when it started, there was a discussion that we had in Zoom between Father Raphael, myself, and Dr. Thierry. And there was a bet that was given that a conference such as this will happen. We didn't know how it will happen, but we decided to make it happen. And today, here we are. It's going to be three long days, fantastic days, as you will find out very soon. And Dr. Thierry is a passionate of Christ. He has a strong zeal for God, the Holy Spirit, the ministry of the Spirit. We'll have the time to understand what it is. And today, I don't want to take much more time introducing himself. Dr. Thierry, I know him. It's been quite a while, let's say almost 20 years from now. So I highly recommend him, but I'll let the Holy Spirit recommend him today in his ministry. So I would like to invite Dr. Thierry to come and take the first part of the session, and it will be followed by the next part with Brother Nesbert, and we'll explain at each step what we'll do. Could you just give us a second to have the microphone? That will help us for the conversation. Thank you. Alléluia. Alléluia. Alors, un petit problème. Tu vas me traduire, hein? Ça fait presque 20 ans, ça fait presque 14 ans, 15 ans qu'on ne s'est pas vu avec Eric. It's been almost 15 years we haven't seen each other with Eric. And so, for me, it was such an important moment that I decided I have to wear appropriately. Et c'était pour moi un événement tellement important que j'ai décidé de pouvoir avoir ma jaquette. But it's too hot. Mais il fait très chaud ici. So I'm going to have to remove it. Alors je vais enlever ça. And the other thing is we did discuss it with the music ministry. Et on avait discuté avec le worship team. That we will have a time of praise. On aura un moment de louange. But since time is behind us. Puisque le temps est en train d'avancer. We are going to do just that one song. Comment ne pas te louer, ok? On va juste chanter. And then after that, we will go into a song that will make us realize that we are in the presence of the Lord. Et ça sera un cantique qui va nous introduire dans la présence de Dieu pour qu'on réalise qu'on est dans la présence de Dieu. Et je vais demander à tout le monde de se lever. And I will ask everyone to stand up. If you remember the last psalm in the Bible, si vous rappelez les derniers chants dans la Bible, speaks about praising the Lord with everything that we have. Ça parle de pouvoir louer le Seigneur avec tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes. Right now, what we have, en ce moment, ce que nous avons, is our body. Ce sont nos corps. We are going to move it. Alors il faut le bouger. For the Lord. Pour le Seigneur. Amen. Amen. Okay.
Gloire à toi, Jésus. Acclamons pour le Seigneur. Let's praise the Lord. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, j'en vois mes frères, Seigneur Jésus, je te prie, comment ne pas te louer. Est-ce que tu aimes Jésus? Alors tu vas lui dire que tu l'aimes. If you love Jesus, tell him that you love. Speak to the Lord. Parle au Seigneur. Nous allons simplement louer le Seigneur et lui dire: Seigneur, nous t'aimons. Vas-y, vas-y, fais-le. Si tu le fais en murmurant, c'est pas un problème. Loue le Seigneur, praise the Lord. Even if you do it slowly, Thank he still listens to you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Seigneur, nous te disons merci. Lord, we thank you. Nous te disons merci pour ta présence. We thank you for your presence. Nous te disons merci pour ta présence manifeste. We say thank you for your manifest presence among us. Nous te disons merci pour ce qui est en train de se faire. We are saying thank you for what you are doing here. Nous te disons merci parce que les cœurs vont être touchés aujourd'hui. We thank you because the hearts will be changed and touched. Nous te disons merci parce que ta présence va guérir des corps. Because your presence will heal the bodies. Nous te disons merci parce que ta présence va guérir des cœurs. Because your presence will heal the hearts. Nous te disons merci parce que ta présence va consoler. Because your presence will console. Merci Jésus. Thank you Jesus. Tu es digne de louange. You are worthy of praise. Toute la gloire. We give you all honor. Toute, we
worship you, Lord. Tu es digne de louange. You are worthy of our praise now. We are giving you. We give you all glory. We adore you, our Lord, for you are worthy of all praise. Hallelujah. Malheureusement, unfortunately, time. Le temps. You know, in the presence of the Lord, vous savez, dans la présence du Seigneur, 3 hours is nothing. 3 heures, c'est presque rien. We need more. On a besoin de plus. Dans ses parvis. In his presence. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur et s'asseoir. Let's clap for the Lamb, for the Lord. I promised my brother Nesbeth. No, in fact, I didn't promise him. Je but he told me. Je promis à mon frère Nesbeth. That I should be short. Et ça sera court. But I'm afraid I might disappoint him. Mais j'ai crains que je peux le décevoir. But we will try. Mais je vais essayer. I will switch from English to French, eh? Je veux de temps en temps flipper de l'anglais en français. Alors comment vous allez? How are you doing? Alors j'aimerais juste dire 3 choses avant de commencer. I would like to say 3 things before I begin. Et ensuite je vais commencer. And then I will start. La tâche qui m'a été donnée, the task ahead of me, c'est celle d'introduire le thème de notre conférence. Is to introduce the themes of this conference. La force des témoins. The power of witnesses. Mais avant ça, but before that, j'aimerais dire 3 choses. 3 things I want to highlight. La première chose, number one, chez nous en Afrique du Sud, in South Africa, on dit, this, we say, I am like a 5-year-old in a candy store. I am like, je suis comme un enfant dans un shop de chocolat ou de bonbons. Comment est-ce que un enfant de 5 ans se comporte dans un dans un magasin de chocolat? How does a kid usually behave when he is in a? Il est tout content là. He's totally excited. Je me rappelle une fois, I remember quand mon fils Anthony, mon deuxième fils, when my second born, c'était son anniversaire. It was his birthday. On avait mis sur la table, il y avait je crois 5 gâteaux au chocolat. There were so many types of cakes. Il était tellement content. He was so happy. Il regarde les gâteaux. He looked at the cakes. Il commence à pleurer. And started crying. We never forgot that day. On n'a jamais oublié cette histoire. C'est exactement la manière dont je me sens aujourd'hui. Et c'est comme it's the way I feel today. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais rendre hommage au révérend Père Raphaël. That's why I want to thank Father Raphael. Et toute la communauté des Dominicains. And all the community that qui nous reçoit aujourd'hui. Who's welcoming us today. Qui reçoit des petits laïcs comme nous. Who receive lay people like us. Pour écouter notre expérience de Dieu. To hear our experiences of the Lord. Thank you, Father. Merci, mon Père. Et un grand merci également à tout le comité organisateur. And I want to say thank you for those who helped organize this. À ceux qui ont mis la main à la pâte. Those who actually got involved into it. Et à ceux qui ont mis la main à la poche. And those who also went into the finances. Que Dieu vous bénisse. May the Lord bless que Dieu you. Vous choque de ses bénédictions. May the Lord actually shock you with his blessings. Amen. Amen. Un grand merci à l'hospitalité que nous avons, dont nous bénéficions en ce lieu. Thank you for the kindness that we've experienced in this. Personnellement, je suis chez maman Dominique et papa Tigana. Myself, I stay at the family of Dominique and Tigana. Et je vous dis, je suis choyé. And I am so much. Que Dieu vous bénisse votre maison et vos enfants. And bless your Amen. Family and your children. Amen. Et j'aimerais aussi rendre hommage. And I would like to thank as well. C'est très dommage que c'est lui qui me. It's so unfortunate, like it happens to be the. It person. Happened to me once. Je donnais un témoignage. Quelqu'un donnait un témoignage. Je traduisais. Et maintenant, il a commencé à parler de moi dans le témoignage. Very awkward. Tigana, tu vas venir. tu peux, yeah. Just for that moment. Amen. We're switching now. Alors, j'aimerais rendre hommage à. I want to thank à mon frère Eric. My brother Eric. 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 Je vous assure, I'm telling you, c'est un géant. He's a giant. Moi, je vais vous donner un tout petit témoignage. Let me give you a small testimony. J'étais responsable d'un groupe des jeunes. On était encore jeunes. I was the president of a youth group. On était tous minces. We were still young and very skinny. Je n'avais pas de calvitie. He still had a lot of hair. Et et puis, bon, j'appartenais à un groupe des jeunes. I was a part of that youth group. Mais la raison pour laquelle j'allais à ce groupe des jeunes,
But the reason I was going to that youth group, c'est parce que j'allais chercher une fille. Because I was looking for a lady. Bon, on est entre nous, hein? We are in a family, right? J'allais là-bas parce que pour voir ma petite amie là. I was going there just to look and see my girlfriend. C'était très compliqué. Les parents étaient, c'était compliqué. It was really a complicated situation. Alors c'est la raison pour laquelle j'allais à ce groupe des jeunes. That's why I was going in that. Pour qu'on puisse se voir. To see the girl. Et parce à cause de mon assiduité, bien que moi j'allais là-bas pour autre chose. Because of my courage, even though I was just going there for something else. Le père a remarqué que bon, lui, il est quand même toujours là. On le met responsable. So the father in the place looked at me with the courage and he was like, oh, we need to give him some responsibilities. Et maintenant, à cause de mon orgueil, because of my pride, je voulais que le groupe là marche quand même pour qu'on dise que bon, Thierry quand même il fait. I wanted the youth group to work because I wanted them to congratulate me. Mais ça ne marchait pas. But it wasn't working. Ça ne marchait pas. It wasn't working. Les groupes des jeunes là, parfois, ça commence fort là. You know, sometimes this group they start energy. Et puis ça descend. And then it start going down. Lorsque le Seigneur n'est pas dedans. When the Lord is not in it. Et je me suis arrivé à un moment. I got to a point où plus personne ne venait. Même la fille que je cherchais là, elle ne venait plus. Even the girl I was looking for was no longer coming. Chez nous en Afrique du Sud, on appelle ça lose-lose situation. On appelle ça perdre-perdre. Perdre-perdre. So tu as perdu, tu as perdu. You lose twice, double-double. Voilà. Alors, j'étais sur le point d'abandonner. I got to the point I wanted to give up. Lorsque j'ai rencontré des amis qui m'ont aidé. Then I met some friends who helped. Et qui m'ont dit, écoute, concentre-toi sur l'évangile. And they said, just focus on evangelization. Et la personne de Jésus. And Jesus. Et les choses vont avancer. And things will progress. Et on a commencé. And we started. Et lorsqu'on a commencé, and when we started, Eric est arrivé dans le groupe. Eric came in the group. Comme un ange descendu du ciel. Like an angel coming down. Lorsqu'il a rejoint le groupe, je ne le flatte pas, je vous assure. I'm not trying to exaggerate things here. I'm not flattering him. I'm telling you the truth. Il a changé la vie de ce groupe. He changed the life of the group. Il nous a fait, moi personnellement, me personally and the others, il m'a fait voir Jésus. He made us see Jesus. Je ne voyais pas Jésus. I wasn't seeing Jesus. Et à chaque fois que j'ai défini ma conversion, now, every time I talk about my conversion, je dis que c'est comme si le Père m'a délivré, comme dit Colossiens chapitre 1, le Père m'a délivré. I always say it's like the Father has delivered me, like in Colossians 1. De la puissance des ténèbres. From the forces of the darkness. Et m'a transporté dans le royaume and du Fils de son amour. And took me to the kingdom of His Son. Je vous assure, c'est ce que j'ai vécu. I am telling you the truth. This is what I Je me suis rendu compte que je ne voyais pas Jésus. I came to realize that I wasn't seeing Jesus. Et avec lui, j'ai commencé à voir Jésus. But with him, I started seeing. C'est comme des écailles qui sont tombées de mes it's yeux. It's like scales that were coming out of my eyes. Et depuis, and since then. Je n'ai fait qu'avancer, à grandir. I've been progressing and progressing and et cet homme a toujours été instrumental. And this man on a fait des grandes choses. Instrument. He did a lot of great things. Que Dieu te bénisse. May God bless you. Comprenez mon émotion. Understand my emotions. Et je prie and I'm praying that pour que l'intention profonde de ton cœur. The wish of your heart. Je corrige. Je ne prie pas. Let me just rephrase it. I'm not praying. Je proclame. I'm declaring. I'm declaring que tu l'as reçu. That you've received it. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Acclamons le Seigneur. Can we clap for the Lord? Alors merci à tout le monde, tous ceux qui ont été de loin ou de près dans cette organisation. Took part of this, organizing this. Et donc ça c'est la première chose que je voulais dire. Les deux autres choses seront très courtes. Two other things are very short. C'est promis. I promise you. C'est promis. It is a promise. La deuxième chose c'est ceci. The second thing is this. Dieu vous aime. God loves you. Dieu vous aime. God loves you. Dieu vous aime. God loves you. Et moi aussi je vous aime. I also love you. De l'amour de Jésus. From the Lord's love. Amen. Amen. Troisième chose. Third thing. Écoutez-moi bien. Can you please hear me out? Je parle dans l'Esprit Saint. I'm talking in the Spirit. Aujourd'hui sera un moment de nouveau départ pour beaucoup. Today will be a new start for a lot of us here. Aujourd'hui, today, pendant ces trois jours, in these 3 days,
ce sera un renouveau pour beaucoup. It will be a renewal for a lot of ça sera une rencontre véritable avec it le will Seigneur. Be, meeting the Lord. Ça sera un moment de guérison. It will be a time of ça healing. Sera un moment de libération. A time of liberation. Ce sera un moment où tu seras poussé dans a le ministère et le service. Pushed in the ministry and service pour la gloire de for notre Lord, Dieu. For the glory of our God. Amen. Amen. Merci beaucoup, Tegana. Tu peux remettre la parole à l'ange. Voilà. Donc ça, ce sont les trois choses que j'avais à dire. So these are the three things I wanted to highlight. Alors, le thème, que, ce dont je dois vous parler aujourd'hui, c'est juste une introduction à notre conférence. I would like to introduce now, the theme of the conference. Et le thème, c'est la force des témoins. And the theme is the power of the witness. Nous le retrouvons dans Actes chapitre 1, verset 8. We find it in Acts 1:8. For the sake of time, à cause du temps, vous allez lire ça à la maison. Okay? You read it at home. Moi, je vais le paraphraser, vous donner la partie qui nous intéresse. And I will give you a summary of what it means. C'est Jésus qui parle à ses disciples. It's the Lord Jesus who speaks. Et il leur dit, he tells them, vous allez recevoir une force. You shall receive a power. D'autres traductions disent, other translation says, vous allez recevoir une puissance. You will receive power. Et vous serez mes témoins. And you will be my witnesses. À Jérusalem, in Jerusalem, en Judée, in Judea, dans la Samarie, in Samaria, et jusqu'aux extrémités de la and terre. To the end of the world. C'est ça que dit Actes chapitre 1, verset 8. And that's what the verse says. L'un de mes passages préférés. One of the texts that I love the most. J'ai beaucoup de passages préférés. I have a lot of favorites. Tous mes passages sont des passages préférés. Actually, all verses of the scripture are my favorite verses. Amen. Amen. Et donc, le thème, la force des témoins, therefore, the power of the witness, ce n'est pas notre invention. It's not our imagination. C'est ce que Jésus dit. It's what the Lord himself il dit, vous allez recevoir une force. He said, you receive power, et vous serez mes témoins. And you will become witnesses. Et la bonne nouvelle, and the good news, c'est que lorsque Jésus parle, is when the Lord speaks, c'est le Seigneur qui parle. It is the Lord speaking. Ce que Dieu dit est. What the Lord says becomes. Je dis, ce que Dieu dit est. What the Lord says becomes. Parce qu'il est Dieu. Because he is God. Et lorsqu'il le dit, and when he says it, c'est à la fois une promesse, it becomes first a promise, mais c'est également un appel. And it becomes also a call. C'est également un commandement même. And it's also an order. Vous allez recevoir une force. You shall receive power. Et c'est ce que le Seigneur nous dit and aujourd'hui. That's what the Lord is telling us. Alors, today, tu vas regarder ton voisin de gauche, so I would like to invite you to look at your neighbor, et ton voisin de droite, and the one on your left et tu vas lui dire, right side, and tell him, le Seigneur te dit, the Lord tu vas recevoir you, une force, you shall receive et tu seras mon témoin. And you will become my witness. On arrête. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qu'un témoin? What is a witness? Le dimanche, Sunday, nous allons être un peu pratiques dans ce qu'est un témoin. We will be more practical aujourd'hui, when it rapidement, but today, just quickly, je vais vous donner quelques éléments just want to highlight key points, de ce que doit être un témoin, what a witness should be, ou de ce qui fait un témoin, or what characterizes a witness. Ou comme disent les mathématiciens, like mathematician says, des sine qua non pour être un témoin. You've heard it. Vous savez qui est dans les maths ici? Qui peut nous dire c'est quoi sine qua non? Those who speak mathematician here can help us translate it, like Dominic. Voilà la condition sans laquelle. Meaning it's the condition without. La condition which, nécessaire. The necessary condition que je vais vous donner. Je vous en donner deux. I want to give you two necessary conditions. Le troisième, on va le garder pour dimanche. And the third one, we'll speak about that on Sunday. Il faut venir dimanche, hein. But you need to come on Sunday. Mais surtout demain. Especially tomorrow. Parce que demain le feu va tomber. Because tomorrow is the day of fire. Dites-moi amen. Amen. Alors, les deux éléments que je vais vous donner, c'est ceci. The two items I want to give you now. Le témoin de Jésus, c'est quelqu'un qui connaît Jésus. A witness of the Lord is someone who knows the Lord. Le témoin de Jésus, c'est quelqu'un qui connaît Jésus. A witness of the Lord is someone who knows the Lord. Deuxièmement, the second point, le témoin de Jésus, a witness of the Lord, c'est quelqu'un qui utilise la force de Jésus who use the power of the Lord himself, pour pousser l'agenda de Jésus. So that he can advance Christ's agenda. Amen. Amen. Alors, on va rapidement parler de ces deux éléments-là. Let's talk about those two items one by one. Qu'est-ce que ça signifie connaître Jésus, connaître Dieu? What does it mean? Knowing the Lord, knowing Christ.
Ce n'il s'agit pas d'une connaissance simplement intellectuelle, bien que l'intellect est important. It's a knowledge that does not only resume to the intellect, even though intellect is important. Mais connaître dans le langage biblique, but knowing in the Christian language, se réfère à quelque chose de beaucoup plus profond. Speak about something more deep and profound. Dans Genèse chapitre 4, par exemple, in Genesis 4, on dit, they say, Adam connut Ève. They say that Adam knew his wife. Et ils ont eu un enfant. And they had a kid. Amen. Amen. Connu Ève. On dit la même chose de Caïn. Caïn connut sa femme. They say the same for ils ont eu un enfant. He knew his wife and et vous comprenez bien and then you understand from que la consommation du mariage par la consommation du mariage. The act in marriage. When we consummate the marriage. When marriage is consummated. C'est vraiment le signe de la plus grande forme d'intimité. It's one of the signs of the strongest form of intimacy. Connaître Dieu, knowing the Lord, c'est être un intime de Dieu. Is to be intimate with the Lord. Dans sa prière sacerdotale, Jésus dit in Christ's prayer, que la vie éternelle, that the eternal life, c'est de connaître toi le seul vrai is Dieu. To know you, Lord, c'est être un intime de Dieu. Is to be someone close and intimate. Un témoin doit être un intime de Dieu. And a witness of Christ has to be someone very intimate. Alors comment est-ce qu'on devient un intime de Dieu? So how do we become very intimate? Il y a deux étapes par lesquelles on doit passer pour devenir un intime de There Dieu. There are two steps that you have to go through to increase your intimacy with the La première c'est la rencontre de Jésus. The first step is to meet him. Tu ne peux pas être l'intime de quelqu'un que tu n'as jamais rencontré. You cannot be intimate with someone that you have never met. La deuxième chose, the second, c'est la rencontre qui te conduit à une relation, à tisser une relation avec ce Jésus. The second one is when that meeting turns into a relationship. Et donc, ce que nous allons faire demain, ce what, que le frère Nesbet va faire demain, what Brother Nesbet will be leading us up to tomorrow, et ce que le frère Nesbet va faire ce soir, lorsqu'on va parler de l'amour de Dieu, what he will introduce already to, this evening, c'est de nous ouvrir encore, is to open us up, c'est de nous approfondir encore, so that we may become deep dans une rencontre vraie avec le Seigneur. To have an intimate meeting with the Lord, an Il faut que nous rencontrions le Seigneur. We need to have that encounter with the Lord. Tous les personnages de la Bible all character in the scripture qui sont mentionnés who are named pour avoir fait quelque chose pour le Seigneur who having done something for the Lord l'ont rencontré. Have met him. Ils l'ont rencontré. They encountered him. Paul sur la route de Damas. Saul in the Damas road. Nathanaël sous le figuier. Nathanael, under the fig tree. D'autres l'ont rencontré lorsqu'ils étaient en train de pêcher. Other people actually met him as they were Je ne sais pas fishermen. Si je ne sais pas si vous connaissez The Chosen, la série The Chosen. Oh, it's wonderful. Have you seen the movie Every The Chosen? Episode. Every single episode of the series have been crying through. Parce que chaque épisode, because every single one of the surtout episode, la première saison, especially season one, c'était une rencontre de Jésus avec quelqu'un. There were series of encounters. Et ils ont vraiment su mettre cela alive. And they were really able to actually display it and portray it on the La rencontre de Jésus, encountering Christ, lorsqu'elle a eu lieu, when it has happened, elle te fait tomber amoureux de Jésus. They make you a lover of Parce que Jésus, because the Lord, c'est en fait l'amour de Dieu en chair et en os, comme le dit le Père Cantalamessa. The love of God that has become flesh and bone. Jésus, Jesus, c'est l'amour de Dieu is the love of God en chair et en os. In flesh and bones. Lorsque tu le rencontres, when you meet him, tu tombes amoureux de Jésus. You fall in love with et him. C'est cela qui te conduit à la relation. And that's what leads you to the next step of relationship with et donc, him. Tu entres dans une relation avec le Seigneur. And as you go into that relationship with him, et le but de la relation, and the purpose of the relationship itself, c'est qu'elle doit s'approfondir. So that it needs to go deeper. Et Sister Olivia, la sœur Olivia, va nous parler demain de certains éléments qui sont essentiels pour approfondir cette relation. She will tell us important steps that we need to take in order to go deeper in that relationship with Christ. Elle va nous parler de la conversion. She will speak to us about conversion. Elle va nous parler de la métanoïa. She will speak to us about metanoia, transformation. Mais aussi le dimanche, and also on Sunday, elle va nous parler de certaines activités que nous devons faire. She will also tell us steps that we need to take in our daily life to keep that relationship alive. Pour
être en relation avec Jésus, to be in relationship with the Lord Jesus, nous devons renoncer à certaines choses, there are things that we have to renounce, et nous devons adopter certaines choses. And there are things that we have to bring et donc, in Sister Olivia va le faire demain et dimanche. And that's the task of Sister Olivia, starting tomorrow in the morning. Nous devons renoncer au péché. We have to renounce to sin. Nous devons vraiment renoncer au péché. We have to really be intentional in renouncing sin. Je vous assure, I'm telling you, beaucoup de gens, many people, même des chrétiens, even Christians, pensent qu'il y a certaines choses. Think that there are certain things. Ce n'est pas réaliste de penser qu'on ne peut pas le faire. That we, it's too much asking when we tell them not to do. Je me rappelle une fois au bureau. I remember once at work. Il y avait quelqu'un qui était venu me déposer quelque chose. Someone came and bring me something at work. C'était les, comment on appelle, les gens qui viennent delivery, a delivery person. Voilà. Alors aussi. Maintenant, on est allé dans mon bureau parce que je devais lui montrer mon identité ou quelque chose comme so, ça. So before the delivery person gives you, he needs to see your ID. Et en passant, il voit une très belle dame, une collègue à moi. So as we were walking, he looked at a lady on our way. Et il a commenté. And then he made a comment. Alors moi je lui ai dit oui, mais bon, j'ai réagi, je lui ai dit que oui, mais bon, elle est mariée et chacun doit regarder sa femme. Je me rappelle plus très bien de ce que j'ai dit exactement. So I remember, like in summary, when he made that comment, I reminded him that the lady that he looked at was actually a married woman. Mais ce dont je me rappelle, but what I remember specifically his reaction, c'est sa réaction. Is his reaction. Parce qu'il m'a dit. Il m'a dit, ah mais dis, toi tu veux me dire que toi vraiment comme tu es là, tu n'as jamais trop jamais trompé ta femme, vraiment jamais. And then he asked me, you are telling me about morality, but can you tell me like truly, like honestly, you've never like ever went behind your wife? Avant de lui répondre, je lui ai dit, before I even answered him, est-ce que tu crois en Dieu? I asked him, do you believe in God? Il me dit oui, I go to church. Il m'a dit oui, je crois en Dieu, je vais à l'église. Mais alors je lui dis, mais comment tu peux me dire ça? Then tu sais que since you go to church, how can you tell me things like of that? Of course, I never cheated on my wife. Bien sûr que je n'ai pas triché contre mon épouse. Of course. Bien sûr. Le sacrement du mariage. The sacrament of est une marriage. Grâce. It's une grâce qui peut te porter. Moi je dis. It's a grace. Yeah. It's a grace that protects you. Et qui peut te porter. Or that can actually transport you and carry you. Moi, je dis parce qu'on a beaucoup de jeunes couples qu'on encadre. I say that because I'm in a ministry that I help a lot of young couples. Je dis aux jeunes couples. And I tell to young couples. Quand vous avez des problèmes. When you have issues. Quand vos enfants sont malades. When your children are sick. Quand vous avez des problèmes avec vos enfants. When you have children. Invoquez la grâce de votre mariage. Call upon the grace it of your power. Wedding, because there is power in that. Amen. Amen. Et donc je lui ai dit que, mais non. So I told him, but no. Mais j'ai retenu la leçon ce jour-là. But since then, I kept the lesson. Et bien sûr, j'ai eu beaucoup d'autres expériences comme ça. Je me rappelle une autre fois. Similar experience with people like that. Une autre fois, c'est quelqu'un, on était encore jeune. Another time, I remember I was still younger. Moi, j'étais responsable du groupe des jeunes. Je disais Jésus partout. I was leading the youth group. Il y a quelqu'un qui me dit, mais and then someone told me, les relations sexuelles avant le mariage, il faut être réaliste, c'est pas possible. But sexual relation before wedding, to say that it's impossible, it's not realistic. Ce sont les mensonges du diable. But these are lies of the devil. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui en tant que témoins. And that's what we need to understand c'est as qu'on witness peut dire non of the péché. Lord. Because parce que Jésus est mort et ressuscité. Because the Lord died et la force and rose again, and the de power dire non au péché to say est not disponible. Is really available. Elle est disponible. It is really available. Et donc, il y a des choses que nous devons renoncer. So there are things that we have to renounce. Mais il y a non seulement le péché, there's not only sin, mais il y a aussi les choses qui conduisent au péché. There are also things that leads to sin. Qu'il faut aussi renoncer. That you also have to renounce. Si tu veux entrer dans une relation avec Jésus, if you want to strengthen that tu renonces le péché, Lord, you have tu renonces ce qui conduit au péché. But also things that tempt you to do those sins. Mais il y a aussi une troisième chose. And there's also a third thing that I want to add. Tu peux renoncer à des choses qui sont bonnes. You can even renounce good things for the sake of the kingdom, pour le but du royaume, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ comme dit Saint Paul. Come in that relationship with c'est pour ça moi quand je vois un prêtre, that's why when I see a priest, je dis Ave. I say yes. Parce qu'ils ont renoncé priest. Au mariage. Because they have renounced to marriage. Mais le mariage c'est une bonne chose. Though marriage is a good thing. Mais ils y ont renoncé. But they have forsaken it.
à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Because of the sake of the call and the knowledge of Christ. Dites-moi amen. Amen. Et même nous qui n'avons pas renoncé au mariage. Even for us who did not renounce to go to the path of marriage. Le Seigneur peut nous demander de renoncer à des choses. The Lord can also ask us to renounce certain other things. Si j'avais le temps. If I had time. J'allais vous parler du match de catch qu'il y a eu entre moi et Dieu. I would have told you the story that I had. The fight that I had with God, mais on n'a pas le temps. But we don't have time for that now. Mais Dieu a gagné. But what I can tell is that the Lord won that fight. Il a gagné. He did win. Amen. Amen. Et donc il y a des choses que nous devons renoncer. So there are things that we have to renounce. Et bien sûr il y a des choses que nous devons adopter. And there are things that et parmi les choses que nous devons adopter, and things that we need to, Sister Olivia va parler will des quatre piliers de la foi chrétienne. We'll speak to you about the four pillars of the Christian tel que nous le retrouvons dans Actes chapitre 2 verset 40. As we discover them in Acts chapter 4. Les enseignements des apôtres, the teaching of la parole apostle, de Dieu, which is the word of God, la prière, prayer, la communion fraternelle, la vie en communauté, the life of community, et la fraction du pain, and the breaking of bread, qui était une façon de parler de l'Eucharistie, which de la messe another que nous way venons of de speaking célébrer. About the thanking of the Eucharist. Amen. Amen. Alors ça c'est la rencontre, plutôt la relation. Donc, this is the second part that talks about relationship. De la rencontre à la relation. So we have an encounter and then we deepen our relationship. This is what I want you to remember. Et la troisième chose c'est l'intimité. La troisième chose c'est l'intimité, intimacy. Oh, yes, and the last thing is intimacy. Lorsque l'on persévère, et lorsque vous lisez Actes chapitre 2, verset 42, when you read Acts 4, 42, la Bible dit qu'ils persévéraient dans ces choses. It said that the scripture said that they persevere in donc these il faut things. Persévérer dans la parole de that Dieu. Mean you need to persevere in these il faut persévérer dans la prière. You have to persevere il faut persévérer prayer. Dans la communauté. You have to persevere il faut in community. Persévérer you dans have, les sacrements. You also have to persevere in the sacrament of the Eucharist. Et alors là, and then, cette relation que tu as commencé avec that le Seigneur that you started with the elle s'approfondit pour devenir l'intimité. So that it gets transformed, tu deviens and become un ami intimacy, de Dieu. And you become one of the tu deviens celui qui connaît Dieu. You become someone who et bien knows sûr, the Lord. On n'est jamais arrivé. And although we cette never intimité the peut highest, s'approfondir encore always et encore a deeper level et encore you can discover parce in that que Dieu est Dieu. Because God is God amen. And deeper. Et donc ça c'est la première chose que dont j'aimerais vous parler. And this is the thing that I want si tu veux être témoin de Jésus, if you want to be witness of the tu Lord, dois devenir un intime de Jésus. Become intimate with the Lord. Rencontre, encounter, relation, relationship, intimité. And intimacy. Et lorsque tu deviens un intime de Jésus, and when you're on the third phase, tu commences à te rendre compte you start realizing que les histoires qu'il y a dans la Bible là, the things that you find in ce ne sont pas des légendes. Are not legends. Lorsqu'on dit que Pierre, when they say Peter, son ombre guérissait les malades. When they say that his shadow was ce n'est pas the sick, une légende. It's not a legend, ce n'est pas figuratif. It's not just a figurative speech. C'est réel. It's a reality, an pour les intimes de Dieu. For those who become et donc j'aimerais maintenant vous parler de la deuxième chose. And this is leads me on the second part. Être témoin d'abord, c'est l'intimité, connaître Dieu. So when you reach the intimacy aspect. Mais la deuxième chose. The other point. C'est d'abord un intime de Dieu. Someone intimate with the Lord. Devient zélé pour Dieu. Discover a zeal in him for the Lord. Tu deviens zélé pour Dieu. Tu veux faire quelque chose pour Dieu. You become zealous for the Lord. Parfois, tu ne sais même pas quoi faire, mais tu veux faire quelque chose. Sometimes you don't even know what to do, but you know that you want to do something for. Demandez à Eric, moi. Ask my brother. Quand j'étais encore, comme je dis, jeune. When I was still younger, quand j'ai commencé à voir Jésus, when I started seeing the Lord, je cherchais vraiment à être comme Eric. I wanted to be like my brother. Amen. Amen. Alors ce que je faisais, so what I was doing, on m'avait mis secrétaire du conseil pastoral. So they brought me to that position. Alors moi, quand je montais là pour donner le communiqué, so when I went up to give the communiqué, je commençais à prêcher aussi. Je lance des passages bibliques. I started even giving scripture in addition of communiquer. Et je me disais, mais papa, toi tu es là pour donner les communiqués. You are just there to give the announcements. Mais il y a ce zèle là. But there is a zeal in you that burns. L'amour de Christ nous presse. Because the love of Christ is pushing you. L'amour de Christ nous presse. The love of Christ is donc quand tu tombes amoureux de Jésus, because when you become a love of Christ, tu deviens
zélé pour Dieu. Very zealous for the Lord. Alors maintenant tu veux faire les choses de Dieu. So you want to do things of the Lord. Mais maintenant Dieu nous dit and then the Lord tells us que pour faire les choses de Dieu, to do the things of the Lord, tu dois les faire avec les ressources de Dieu. You need to do that with God's resources. C'est pourquoi Jésus a dit, that's why Christ said, vous recevrez une puissance you shall receive power, et alors vous serez mes témoins. And then you will be my witnesses. Donc le zèle là c'est tout à fait normal. So the zeal that you have is just normal. Mais maintenant le zèle là doit être accompagné des ressources du ciel. But that zeal to find friction needs de l'électricité tools. D'en haut. You need the electric power from on high. Parce que quand light. Tu as ça là, because when you have that, tu deviens un témoin de Jésus. Then you can become a witness. Parce que the tu Lord. Deviens celui qui fait ce que Jésus faisait. Because you do things that Christ was doing. Alors ce deuxième point c'est exactement cela. And this is the second aspect after intimacy that you discover. C'est que nous devons recevoir la force de Dieu that we need to receive the empowerment from the Lord, afin de devenir ses témoins. To become his witness. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous allons lire, j'aimerais que nous lisions quelques passages. I would like to read, to mais peut-être qu'on n'a pas le temps. Scripture. Because of time, I just wanted to leave you with some scripture. Alors, comme on n'a pas le temps, je vais juste paraphraser et on va parler rapidement. Instead of reading it for you, let me just give you a summary of what the scripture says. Le zèle que nous avons de servir Dieu, the zeal that we have of serving the Lord, ça vient de Dieu lui-même. It comes from the Lord himself. Dieu God veut que tu le serves. Wants you to serve him. Je me suis rendu compte d'une chose. I realized once, généralement, quand on parle de l'amour de Dieu, when we speak about the love of Christ, on parle de et je me rappelle lorsqu'on avait eu l'année de la miséricorde, vous vous rappelez, when we had il y a quelques the year années, of, que le pape of François mercy, avait décrété. When, Pope François actually, announced it. On parle souvent de la miséricorde de Dieu. We speak about the mercy of the Lord. Parce que la miséricorde de Dieu, c'est quoi en fait? Because what is the mercy of the Lord? La miséricorde de Dieu, the mercy of c'est the Lord l'amour de Dieu is that love of Christ qui rejoint notre misère. That meets your... Et Saint Augustin a écrit un très beau texte sur le pasteur de cela. Your misery, thank you. Je répète encore, let me repeat that. C'est l'amour de Dieu. It's the love of God qui nous rejoint that meet us in our misery, dans notre misère. In our misery. Alors lorsqu'on parle du salut, so when we speak about salvation, lorsqu'on parle de Jésus qui guérissait, when we speak about Christ that healed, lorsqu'on parle de Jésus qui délivrait, when we spoke about Christ that, set people free, lorsqu'on parle de Jésus qui nourrissait, when they spoke about Christ that fed, il s'agit de sa miséricorde they spoke about his, qui nous rejoint, his mercy. C'est son amour qui nous rejoint dans notre besoin. It is the love of Christ that reached out to us in our misery. Mais l'amour de Dieu est encore plus profond. But the love of God goes even deeper than that. Parce que ce que Dieu veut, because what God wants, c'est que toi, sa fille, that you, his daughter, toi, son fils, you, his son, tu participes à son œuvre. That you be a sharer, quel a co-worker with him. Et c'est pourquoi il dit, that's why he says, vous recevrez une force, you will receive power, et vous serez mes témoins. So that you become witnesses. Vous recevrez une force, a power, et vous serez mes témoins. And become witnesses. Amen. Amen. Et ce qui est étrange, and what is strange, c'est qu'il y a certaines choses que Jésus disait de lui-même, there are certain things that Christ said about himself, mais qu'il dit aussi de toi et de moi. That sometimes he used that and said that about you. Dans Luc chapitre 4, verset 18, in Luke 4, he says in verse il dit, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, the Spirit of the Lord is upon me, parce qu'il m'a consacré par l'onction, because he gave me the anointing, pour annoncer une bonne nouvelle, to announce good etc. And you know the rest. Amen. Amen. Et ensuite, and il vient dans Actes 8, 8, et il dit, tu recevras une force and it's a, you will receive that et tu seras mon témoin. And you will become a witness. Il dit ailleurs, somewhere else he says, je suis la lumière du monde. I am the light of the world. Ensuite, il vient et dit, and then he comes and tells you, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. And et donc, ce qu'il dit de lui, so somehow, il dit de himself, toi. He also says it about you. Amen. So, amen. Et donc, c'est ce que Jésus veut. And this is what the Lord wants from you. Ce que Jésus veut, what the Lord wants for you, c'est que tu fasses ce que lui faisait. Is that you do what he was doing. Un autre passage another, qui est important, another scripture that I think it's important, que Jésus donne lui-même, that he gives himself, c'est dans Jean, ça, s'il vous plaît, retenez-le. I want you at least to memorize this one. Retenez ce passage. Remember this text. Jean chapitre 14, verset 12. Nous l'avons lu il n'y a pas longtemps. John 14, 12.
Il dit, he says, ceux qui croient en moi, those who believe in me, feront les œuvres que je fais, will do the works that I do, et en feront des plus grandes, and will do even more. Je ne sais, enfin, je ne sais pas. Hein. I don't know. Je ne sais pas si vous réalisez ce. I don't know if you realize what he just said. Bien sûr, il y a une explication plus ou moins naturelle à ce passage. There is an explanation naturally from the text. Que en au temps de Jésus, that in the time of Christ, il n'y avait pas d'avion. There were no donc il n'a airplane, pas pu aller en Europe. So he couldn't go to, alors, to Europe. Alors quelqu'un qui va en Europe, so someone who go on missionary work behind, il fait un peu plus quand même, non? To an extent he does a little dans bit un certain sens. More than what the Lord did. To a certain extent you mais might ce also que Jésus disait, but the conviction that what he really said also from this vous text, ferez les œuvres que je fais. Qu'est-ce que Jésus faisait? The works that he did himself. Lorsque Pierre était chez Corneille, when Peter was at Cornelius' house, il présente Jésus he introduced Christ to the audience, comme celui que Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance, as the person that God has anointed with the Spirit and power, qui allait de lieu en lieu, who went place to place, faisant le bien, doing good, et guérissant tous ceux qui étaient tombés sous la puissance du diable, and healing people who were under the power of the enemy. C'est ce que Jésus faisait. That's what Jesus was doing. Et maintenant, il dit que c'est toi qui dois le faire. Now he's asking you to do the same. Alors, est-ce que tu es convaincu de cela? So are you convinced that that's your calling too? Bien-aimé, cela ne s'applique pas à tel homme de Dieu ou tel homme de Dieu. This does not only apply to a certain category of Christian. Beaucoup de gens many, le disent aujourd'hui, et ils ont raison, tells me que la période des super ministères, là, that the de tel time ou tel, of super ministries, it's over. It's over. L'œuvre du ministère doit être faite par les chrétiens. The work par toi of the ministry et par moi, has to be done by each Christian, par each, chacun de nous. Every single one of us has to carry. Parce que Jésus dit, tu recevras une puissance because et tu seras monté. Because he promised that you should receive that power. Ça nous concerne tous. We mean we are all concerned. Ça nous concerne tous. We are all concerned. La puissance dont il s'agit, and the power that it's concerned, et lorsque vous voyez le contexte, and when you understand the context, c'est que 10 jours plus tard, c'était au moment de son ascension, donc 10 jours plus tard, the context is that 10 la Pentecôte, n'est-ce pas? It was the day of Pentecost. Et aujourd'hui, and today, beaucoup de gens pensent que bon, ça c'est une affaire seulement des charismatiques. And people think that these are only things that charismatics like to talk about. Non, but no, non, no, et non, and no. Le Saint-Esprit, c'est pour tous les chrétiens. The presence of the Holy Spirit is for all Christians. Ce n'est pas, vous voyez, la Pentecôte, the Pentecost, qui à son cœur a le baptême du Saint-Esprit. Which has, in itself, the reality of the baptism. Ce n'est pas pour un groupe de chrétiens, ce n'est pas une forme de spiritualité pour certains. It's not just a form of spirituality for some Christians. Le cardinal Cantalamessa, the cardinal Cantalamessa, nous dit ceci. Tells us. Le renouveau charismatique. Et ici, je m'adresse. Je sais que nous sommes dans une communauté où il y a tout le monde. I acknowledge that we are in a mixed community here today. Mais ici, je veux dire quelque chose sur l'Église catholique. But I just want to make a small emphasis about. Parce que le cardinal Cantalamessa parlait justement du renouveau charismatique catholique. Because he was making a reference about the renewal of the Spirit. Et il a dit ceci. And he said, le renouveau charismatique, the renewal, c'est le seul. C'est le seul mouvement dans l'Église. It's the only move in the church. Movement. The only movement in the church. Qui n'a pas de fondateur. Which does not have a leader, a founder. Donc il y a deux choses. There are two things. Le renouveau charismatique n'a pas de fondateur. The renewal does c'est not l'Esprit have a Saint qui a soufflé. Because it looked like it's the Holy Spirit who is the founder. Mais la deuxième chose. The second thing. C'est que l'esprit, plutôt, le renouveau charismatique est le seul mouvement dans l'Église the renewal is the only movement in the church, qui a vocation à disparaître. Which has the only vocation to disappear, à disparaître dans l'Église. To disappear within the church, afin que toute l'Église soit charismatique. So that the whole church become charismatic. Que toute l'Église soit charismatique. So that the whole church become in itself charismatic. Que les mamans qui font la Légion de Marie chantent en langue. So those who are part of, by the way, of Légion Maria, Marie, sing in tongues. Marie prie en langue. Est-ce que vous savez ça? Did you know allez that lire acte 1 et acte 2. Et vous revenez, on va parler. Act 1, 2, during the coming of the Spirit. Alléluia! She was part of the people who received the charism of tongues. Et donc, ce n'est therefore, pas,
Ce n'est pas la catégorie de certains. So it's not a category of some people. Et c'est très important que nous comprenions so cela. I think that is something important that we need to know about. Malheureusement, and many ne s'ouvrent pas do à not cette grâce. Open up themselves to this grace. Et c'est la raison pour laquelle le pape François, laissez-moi parler de deux autres prélats. Le pape François dit ceci. For example, Pope Francis say, il enlève le mot mouvement là parce que ça complique les gens. If let's remove the word movement because it's complicated. Il dit for many people. Le renouveau charismatique, c'est un courant de grâce dans l'Église. Let's call that the renewal, the charismatic renewal is a current of grace within the church. C'est un courant de grâce pour toi. It is a current of grace for you, my toi, sister. Toi, nous tous ici. Every single one of us are invited en face, in je this vous assure, current of grace. Le trésor des dons de Dieu nous concerne tous. The treasure of God's grace. Et Dieu, dans sa générosité, tout ce qu'il veut faire, c'est souffler sur nous. And God, what he wants, c'est pour ça que demain, tous ceux qui veulent recevoir, recevront, je vous dis. That's why I'm saying that tomorrow, when we will have that time of prayer, it is for all of us. Be open to receive more from in fact, on va commencer à recevoir aujourd'hui. And I believe that already today we will start receiving. Amen. Amen. Je me rappelle une fois, rapidement, j'ai presque fini. I'm about to end. On avait invité, avec l'aide de mon patron, we had invited, I remember. On avait invité le père René Jacob. We did invite Father René Jacob from et France. Il est venu nous parler du baptême dans l'Esprit Saint. So he came from France to speak to us about the baptism in the Holy Spirit. Et il est venu nous parler in, de la prière en langue. And then he spoke to that section about the Spirit speaking in tongues. Et le père René, c'était très intéressant. Lui, tout est résolu avec la prière en langue. For him, every issue is resolved with speaking in tongues. Quand tu sais pas quoi faire. When you don't know what to do. Mais qu'est-ce que je fais? What do you do? Mais je prie en langue. Then I speak in tongues. Quand tu sais pas quoi dire. When I don't know what to say. Mais qu'est-ce que je fais? He used to say, what do mais I do? Je prie en langue. I speak in tongues. Donc voilà, je l'imite un peu. I'm trying to imitate him a little Amen. Bit. Amen. Alors, le père René dit ceci. So, Father René Jacob. Quand il avait aussi des tête-à-tête avec certaines personnes when individuellement. He had, times of counseling il people, y avait une des jeunes, une membre une jeune. He encountered one lady. Et il leur parlait de la prière en langue. And he spoke to her about the grace of tongues. Et la fille lui a dit, en tout cas, elle n'est pas trop intéressée à ces histoires-là, mais elle préfère juste lire. Elle veut lire. So the lady told, I'm not really interested in these things of speaking in tongues. All I want is just to have the grace to read. Certains ne sont pas intéressés. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est chanter la messe. All I want is just the grace to sing in church or read in church. That's all I want. Amen. That's what alors, the lady told to Father René le Jacob. Père René était tout traumatisé. Là, il est venu pleurer chez moi. Bon, j'exagère. So Father René came and spoke to me because I was the president at that time. Et il était surpris, mais he was surprised that people, how people are, can you say no, can you to, say the no gifts of God? To a gift of God? Il a fait des dons aux hommes. He gave gifts to men. Et toi, tu dis non? And then you say just no? Ça n'a pas de sens. It doesn't make sense to him. Ça n'a pas de sens. It doesn't make sense. Il faut t'ouvrir à tout ce que Dieu veut te donner. Be open to any gift the Lord wants Amen. To give you. En fait, in fact, quand tu ne t'ouvres pas à ce que Dieu veut te donner, when you are not open to what God c'est wants un manque d'humilité. It's a lack of humility on your je part. Dis, c'est un manque d'humilité. It is a lack of humility on your part. Rapidement, un petit exemple. Just a quick example. Si moi, Eric, on nous demande, dis-nous quelque chose sur toi. If we are asked, say something about each other. Alors moi, je dis, en tout cas, moi, je ne suis rien. Hein. Je ne suis if rien say, vraiment. I'm je veux seulement rester, nothing. Mais j'aime Dieu, mais je ne suis rien. I just moi, love je suis God, rien. But I'm nothing. You know. Maintenant, Eric lui dit. But my brother says. Je suis fils de Dieu. I am son of God. Je suis témoin de Jésus-Christ. I'm a witness of the kingdom. Et je suis fort. And I'm strong. Tout le monde ici va dire que everybody here will say, moi je suis humble. You will say he is humble. Lui n'est pas humble. And this, the one who spoke more is vrai. Not humble. Isn't it true? That's how we react. Parce que notre conception de l'humilité est because fausse. Our understanding of humility is incorrect. L'humilité, mon patron va me corriger. Nous, on ne connaît pas beaucoup, on essaie. Maybe Father Raphael will correct me if I misspoke here. Humilité vient de du grec humus, n'est-ce pas? Humility speak about the word humus in Greek, qui signifie la terre. Which means the soil.
C'est-à-dire, l'humilité, c'est avoir les pieds sur terre, ne pas penser qu'on est plus que ce qu'on est. Humility is to have your feet on earth and not to think that you are more than what you are. Mais lorsque tu penses moins que ce que tu es, but when you think also that ce you n'est pas are less than what c'est you are, c'est la fausse modestie. That's not even humility, that's false modesty. Et Dieu n'est pas impressionné. And the Lord is not impressed. Il n'est pas impressionné. He is not impressed at all. Ce que Dieu veut. Attitude, because what God wants, ce sont des gens qui le prennent au mot. It's people who take him by his lorsque words. Dieu dit quelque chose, when God tells you something, ça devient la réalité. It becomes your reality. C'est-à-dire, nous dans l'Église catholique, which means us in the Catholic Church, we have, lorsque Jésus dit ceci est mon corps, when he says, this is my body, on ne discute pas, on ne philosophie discuss, pas. Bon, we bien don't, sûr, on peut réfléchir we sur can le sujet. Reflect on that, but les Dominicains, well, we know the Dominican order, they are thinkers. Mais comme Jésus a dit, but ça devient la réalité. But if Christ says something, that things becomes. And by the way, c'est ça la foi. And that in a sense, this is faith. La foi, c'est mettre toute ta confiance is to put all your trust dans l'intégrité to the integrity de la personne et de la parole de to Dieu. The person and the word of God. Alors si Dieu dit, if tu God recevras say, une force. If God say, you will receive power. By God, tu recevras une force. That mean you will receive a power. Si Dieu dit tu es son témoin, if God said that you are by witness, God, tu es son témoin. That mean by God you will be. Et donc ne soyons pas dans la fausse humilité. So let not us be in false humility. Amen. Amen. Alors, j'aimerais juste conclure avec. So let me close here. Il y a beaucoup de témoignages, mais on va pas donner nos propres témoignages, surtout comme c'est filmé. There's so many testimonies that I have, but I won't give them a lot of them because it's filmed. Mais on n'a pas besoin, enfin, on a besoin des témoignages, mais prenons le témoignage du Père Tardif. I want to give maybe someone else a third person, like Father Tardif. Et la raison pour laquelle je donne ce témoignage, c'est pour ceci. And the reason I give the testimony of Father Tardif, lui-même a dit, himself, he said, vous voulez remplir vos paroisses. You wanna fill your parishes. Vous voulez remplir vos groupes. You wanna fill your groups. Ouvrez la porte au Saint-Esprit. Open the door to the Holy Spirit. L'histoire, on a raconté l'histoire du passage du Père Tardif en Polynésie française à Papété. They speak about the time when Father Tardif went through Polynésie. Et c'était un diacre permanent qui racontait l'histoire. And it's a deacon that was telling the story. Et il dit que le passage du Père when Father Tardif came there a transformé tout le diocèse. Has changed the whole diocese. C'était terrible. It was incredible. Il y avait des foules immenses. There was crowds of crowds il y avait les prêtres réquisitionnaient les voitures des gens pour écouter les confessions des gens. There was no more space to hear confessions. People were taking calls to hear confessions. C'était un réveil. There was a revival that c'était came. C'était un réveil. There was a strong wind of. Alors maintenant, on pose la question au diacre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que tout le monde a couru comme ça? Why suddenly people came running to the church? Et la réponse que le diacre a donnée est la réponse que je veux vous donner and et que je veux laisser avec vous. And the answer that the deacon say is the answer I want to give you and leave you with that word. C'est parce que ce dont les gens veulent, ce dont les gens ont besoin, ce que les gens cherchent. It's because what people really want. C'est le Jésus des évangiles. It's Jesus Christ of the Gospels. Ce ne sont pas nos philosophies. It's not our philosophy. Ce ne sont pas nos commentaires. It's not our commentaries. C'est le Jésus des évangiles. It's the Christ of the Gospel. Et bien sûr, of course, une fois qu'ils viennent. Once on peut leur donner aussi nos commentaires, notre catéchèse, then one they come, that when afin qu'ils grandissent. Parce que rappelez-vous, il y a d'abord la foule qui accourt. Remember, first it starts with the crowd coming. Et lorsque la foule devient disciple, and when the crowd c'est alors qu'on peut leur enseigner. That when you can start teaching. Mais ils doivent d'abord venir. But you need first to bring. Ils ont besoin de voir Jésus. They first need to encounter de la même him. Manière que Eric m'a fait voir Jésus. It'll be like I encounter him ils myself. Doivent voir Jésus. They need to see Christ. Et pour voir Jésus, and to see Christ, nous devons assumer notre identité de Christ. We have to acknowledge our identity. Et nous devons recevoir tout ce que le Seigneur veut nous donner. And we need to receive everything the et c'est Lord ça le, notre rôle aujourd'hui and de cette conférence. And this will be the role of this conference. C'est de partager avec vous and cette expérience. Share with you my experience. Cette expérience de Dieu this qui commence par la rencontre that with an encounter, et tisser une relation, and then a relationship l'intimité and et la force we go deeper qui fait de nous des témoins. And then we see power be released amen. In our life. Amen. Thank you. Thank you. Brother, because of time, we still have 1 hour and 30 minutes. Yes, we do. And then, Brother Nesbel, we like the choir first to lead us into another song as we transit from
listening to Brother Thierry introducing the conference to now the ministry of Brother Ernest. Choir, your time. C'est le temps où la chorale est donnée encore un moment pour nous aider à faire la transition de l'introduction que nous avons reçue du docteur Thierry et avant d'écouter le frère Nesper. Let's stand up. Let's stand up. He's here in our midst, the midst of our lives. Christ is alive among us. In the morning hours of our promises, He is in the midst of us. Let's sing, He is among us. Et c'est toi qui nous fait. He is the one who makes us live. He is alive among us. He is alive through Christ our Lord. Even in our heart that is troubled, He is alive. Even in our trip and commute, the Lord is there. He is alive. He is among us. And it is Him that make us live. He is the one that make us alive. And all through Christ our Lord. Even in the midst of our turmoil, Jesus is here. Even during the songs and the music of our parties, He remains present among us. Christ is there. He is alive among us. It is Him that makes us live. Christ is present. One more time. Thank you. You're welcome for your seat. Vous êtes invité à prendre vos sièges. Merci à tous d'être venus. Je crois qu'après ces chants, on peut tous rentrer à la maison. Alors? Je suis ici aujourd'hui parce que je n'ai pas envie d'être frappé. Oh! Kicked. Yes. Vous avez entendu ce que je dis. So,
So I repeat. Alors je répète encore. I am here today. Je suis ici encore aujourd'hui. Because I do not want to be beaten. Parce que je ne veux pas être frappé. When I grew up, quand j'ai grandi, I had many friends. J'ai eu beaucoup d'amis. Many of my friends, beaucoup de mes amis, were girls. I speak very fast. Je parle très vite. Okay. Many of my friends, la plupart de mes amis, were girls, étaient des filles, and they got me beaten. Et ils m'ont fait many frapper times. Partout, plusieurs fois. Why was I beaten? Pourquoi on me frappait souvent? Parce que there were many boys, parce qu'il y avait beaucoup de garçons who wanted the girls who were my les friends. Mêmes filles qui étaient avec moi. And I was small. Et j'étais so petit. The boys would send me, alors les garçons ont to m'envoyé go and tell the girls de parler aux jeunes what filles the boys wanted. Ce que les garçons voulaient. When I go and tell the girls, mais quand je parlais some aux filles, of the girls were big. Et certaines filles, some of the girls were big. Oh, si. Yes. Et la plupart des filles étaient grandes. So they would beat me. Et ils me frappaient à leur place. Go back where you are coming from. Et ils me chassaient, me renvoyaient d'où je venais. And when I told the girls, et quand je disais aux jeunes filles, is no. Et les filles disaient non. The boy was going to beat me. Et les garçons me frappaient because parce que I je venais avec une réponse nicely. Négative. So I was beaten. Et j'étais tout le temps frappé, des deux côtés. They would send me. Ils m'envoyaient. To go and tell the girl. De parler aux jeunes filles. Tell the girl that I love her. Dis à cette jeune fille par exemple que I go and tell the girl. Et quand je dis ça à la jeune fille. And then she doesn't believe. Et elle ne croit pas à cela. Especially the big girls. Spécialement les grandes filles. They would not believe. Ils ne croyaient pas à ce que je disais. Look at the boy who has sent me. Et ils regardaient les garçons qui les m'avaient envoyé. Can that boy really love me? Dis, est-ce que ces garçons peuvent vraiment m'aimer? No, you are lying. Tu es un menteur. So they beat me. Alors il m'est tapé. And then the boy says, et le garçon what dit, did she say? Qu'est-ce qu'elle a dit? She said no. Elle a dit non. So you didn't tell her properly. They would et, kick et oui, me. Go et and bien tell sûr, her nicely that I love her. Frustré, il me frappait, dit tu as mal dit ce que je t'avais dit. Rentre, dis-le encore que je l'aime. So I am here today. Et je suis là aujourd'hui. Do not want to be beaten. Parce que j'ai pas envie d'être I frappé. Have been sent. J'ai été envoyé. Someone has told me. Quelqu'un m'a envoyé. To come and tell you de venir vous dire that he loves you. Que il vous aime. I don't want him to beat me. Je n'ai pas envie qu'il me frappe. I am here. Alors je suis là because he sent me parce qu'il m'a envoyé to come and tell de vous dire today qu'aujourd'hui that he que lui loves you. Il vous aime. Maybe you are that big girl. Peut-être tu es cette grande jeune fille. You're not going to believe me. Tu ne vas peut-être pas me croire. Does he really love me? Est-ce qu'il m'aime réellement? Tu me mens and then you beat me. Et tu cherches à me presser. But you know what? Mais tu sais quoi? Over the years, mais avec les années, as a small boy, quand j'étais petit, I developed skills j'ai développé des of aptitudes telling the girls de savoir dire what aux the filles, boys are saying. Qu'est-ce que les garçons ont dit. So I am here today. Alors je suis là aujourd'hui to tell you, pour vous dire. And I'm going to give you an offer et je vais vous faire une offre that you will not refuse. Et que vous n'allez pas refuser. You cannot refuse. Tu ne peux pas refuser cette offre. One of the reasons why I was beaten. Une des raisons pourquoi on m'a frappé. Some of those boys, c'est que certains de ces garçons, know them. Je ne les reconnaissais même pas. Someone just comes and says, quelqu'un vient et me I voit. I saw you speaking to that girl. Il me voit parler. Go and tell her that I love him. Vas-y. I don't know where this boy is coming. Alors je ne connais pas qui I le don't garçon. Even know his name. Je ne connais même pas son nom. I don't know how he behaves. Et ça rendait I don't difficile know what de pouvoir transmettre la communication. But the one who sent me to you today, celui qui m'a envoyé aujourd'hui, lui je le connais. Lui je peux parler de lui. I have seen him with my j'ai own vu eyes. Ce qu'il fait. I have seen him with my own eyes. J'ai vu I sa know puissance. What et je sais ce I qu'il know peut what faire. He has got. Je sais and ce qu'il so a. I will tell you et today je veux vous dire aujourd'hui I know that parce man. Que je le connais. Un travail facile. He told me il m'a dit to tell you que je te dise that you que toi. Did you hear that? Est-ce que tu as entendu ça? So please, alors écoutez-moi. Don't say no. Ne dites pas non alors. If you say no, si vous dites non alors, he will think I didn't do a good job. Il va croire que j'ai mal fait mon travail. I don't want to be beaten. Et je ne veux pas avoir de problème avec at lui. This age, surtout pas à cet âge. He told me il m'a dit to tell you de vous dire that he loves you. Qu'il vous aime. Maintenant, the reason why et la raison he has sent me to tell you qu'il m'a envoyé pour vous dire the same reason why c'est la même raison pour he laquelle sent a young man qu'il a envoyé un jeune homme ou une personne âgée all the way to Egypt et il l'a envoyé en Égypte to speak to the people of Israel. Pour parler au peuple d'Israël. God Dieu
sent Moses. Il a envoyé Moïse. Yes, to Pharaoh. Pharaoh, the leader. À Pharaon. But mostly, mais it surtout, was not to Pharaoh himself. Mais c'était pas vraiment à Pharaon seulement. To the people of Israel. Mais c'était pour les enfants d'Israël. God wanted the people of Israel Dieu, to know that He is God. Il voulait que les that enfants d'Israël sachent que that il he est is Dieu, going to liberate them. Qu'il va les libérer. He wanted qu'il them to be free. Qu'il veut qu'ils soient libérés. So the message to Pharaoh. Alors le message envoyé à Pharaon. You remember that message? Vous rappelez le message? What did Moses say to Pharaoh? Qu'est-ce que Moïse a dit à Let my people go. Laissez mon peuple partir. Let my people go. Laissez partir mon peuple. Because where you are, parce que là où tu es, in that land, dans ces terres, où ces you territoires tu cannot es, grow. Tu ne peux pas grandir. God wants you et Dieu sait to go pour que tu grandisses, grow. Que tu ailles à l'extérieur et que tu grandisses. See where he is sending the people to. Mais regarde où est-ce qu'il envoie le peuple. Where does he want his people to go? Mais où est-ce qu'il veut que le peuple to the parte? Desert. D'abord dans les déserts. Let's go. Il dit partons ensemble out there in the desert. Là-bas dans les déserts. I know how to tell the girls. Je sais you know comment what parler is in aux the jeunes desert. Filles. Vous savez there c'est quoi le désert? There is absolutely nothing in the desert. Vous savez qu'est-ce there is absolutely nothing. Il n'y a rien just my love and you. Il y a juste my mon amour pour grow toi in you. Et so notre amour va grandir. Rien you va obstruer cet amour. You dans won't les déserts. See anything. Tu vas jamais only voir quelqu'un là-bas. Seulement mon amour dans le désert. So I am here. Alors je suis là to invite you. Pour vous inviter. Come with me. Venez avec moi to the desert. Dans le désert. Come. Viens. There is nothing there. C'est vrai qu'il n'y a rien là-bas. Yes, there's absolutely nothing. C'est vrai qu'il n'y a absolument rien dans le désert. Is love. Mais il y a mon amour. I will give you love. Je veux te donner de l'amour. I moi, will je love. Moi, je t'aime. So, alors, begin again. Recommençons encore. God Dieu has sent me m'a envoyé to you. Vers vous. Non, non, non. God Dieu has sent me m'a envoyé to you. Vers vous. Non, not vers vous. You, to, to, to. Not vous. À toi, vers toi. Yeah, à toi, yes. Vers toi. Yeah. Dieu m'a envoyé, moi envoyé. Because this guy toi. Is a nice guy. He doesn't want many. He wants one. So he speak, I'm speaking to you. Alors je veux te parler toi individuellement, you, yourself. Pas juste vous en général, mais toi personnellement. Toi. Toi. Yeah? So Dieu m'a envoyé vers toi. Yes, yes. Please let me clap hands. Clap your hands. Vas-y, applaudis comme tu l'as fait. So God has sent me Dieu m'a envoyé to you vers toi to tell you pour te dire à toi that he que lui loves il t'aime personnellement. Let's talk about something that you may not like for a second. Parlons un peu de quelque chose que vous pouvez ne pas aimer pour un moment. There is the process of coming out of Egypt. Il y a le travail qui se fait quand on quitte l'Égypte. Because that life in Egypt is not good for you. Parce que la vie au désert there à l'Égypte c'est pas bon pour vous. There you cannot experience love. Là, tu peux pas découvrir l'amour you de Dieu. You are in an oppressive relationship. Parce que tu es oppressé dans cette relation. In order for you to receive real love, mais pour toi, pour découvrir you need cet to come amour out. Réel, tu as besoin de sortir de come out now. Alors viens. Let's go. Sortons, allons ensemble. The desert. Vers le désert. Please, just do this simple action. Fais juste cette action. Say it to yourself. Dis-le à toi-même. I que moi. Stand up. Lève-toi comme un acte. Moi. Stand up. Je m'élève, I moi, stand up, je m'élève and I go et je marche to the desert. Vers le désert. I leave je quitte Egypt. L'Égypte, I go je marche to the desert. Vers le désert. March. Let's see the march. Alors marchons march. Ensemble, faisons un acte comme si nous quittons vers le désert. Merci. You may sit down. Vous pouvez vous asseoir, merci de coopérer. Come with me. Je voudrais que vous lisez avec moi. To the desert. Venez avec moi dans le désert pour un moment. For freedom. Pour la liberté. For joy. Pour la joie. For life. Pour la vie. Now, écoutez, listen to this. Écoutez ceci. You are listening. Vous m'écoutez? When I say, quand je dis I love you, que je t'aime, I moi love you, je t'aime because you are parce que tu es. I'm not finishing that sentence. Je ne finis pas but do you hear the sentence? Mais vous comprenez le sens de la phrase. I quand je dis je love you, je t'aime because parce que you are tu es whatever. Okay, quel que soit le mot que je peux ajouter après,
Ou parce que tu es or you are a good boy. Ou tu es une bonne or personne. You are a beautiful girl. Ou parce que tu es une jolie or you are intelligent. Ou parce que tu es intelligent. Whatever I will put ou tout, tout ce que je mettrai après comme I am saying, ce que je suis en train de dire, I love you c'est que je t'aime because you parce que toi, are. Tu as when quelque I chose. Do that, mais quand je fais ça, I am applying pressure on you je mets de la pression sur toi to do something for me. De faire quelque chose en retour vers moi. Because if I am loving you because you are pretty, parce que si je t'aime parce what que tu I'm es belle, doing to you, dear, ce que je suis en train de te faire, ma sœur, c'est pour que tu regardes encore dans ton sac, tu regardes combien d'argent so tu as, you know how much you can spend on makeup, combien maintenant je dois continuer à avoir pour entretenir cette beauté, you parce que je suis aimé à cause when de I ça. Say I love you, quand je t'ai dit je t'aime, boy, parce que tu es un bon garçon, ce que je suis en train réellement de te dire, c'est que tu continues à montrer des caractères d'excellence, que tu puisses développer ton caractère encore plus pour que you are used to that. Et quelque part vous êtes habitués à ça. Are used to that. Nous tous nous sommes habitués à ce genre de relation. Those who love you et parce que ceux qui nous love aiment you nous aiment because you parce, what, what, what. Parce que nous avons ceci ou cela. And those that you love, et c'est you love amour. Them because they are et vous aussi quand they vous are. Les aimez c'est parce qu'ils ont ceci ou are cela you following me? Ou ils sont ceci ou but cela. There is a difference. Mais il y a une différence the avec, one who sent me avec to you celui today qui m'a envoyé vers vous he's aujourd'hui. Not saying he loves you il ne because dit pas parce you. Que je vous aime parce no. Que he doesn't love you il t'aime because pas parce you. Que toi he as, loves you il because t'aime he is love. Parce que lui il est amour c'est pour ça que lui il vous aime. Not because of you, pas à cause de because vous, of he. Mais c'est à cause de lui. He loves you. Il vous because aime. He is God. Parce que lui, he est Dieu. Is Father. Parce que lui, il est he Père. Is love. Parce que lui, he il est amour. Parce qu'il I est love tout. You because I am your Father. Dit, je vous aime parce que I je suis votre you. Père. I am your Father. Je suis I love père. You. Je t'aime. Not because of you. Mais c'est pas à cause de toi. What do que I mean as. By this? You are loved as you are. Dieu t'aime comme tu es. You need not do anything about this. Tu n'as pas besoin there's de faire quelque nothing chose you can do. Pour attirer cette attention d'amour. You cannot make me love you more than I already love tu ne peux pas faire pousser Dieu t'aimer plus qu'il t'aime déjà aujourd'hui. Water makes things wet. L'eau rend les choses humides. It does. Ça le fait water en réalité. Makes things wet. L'eau rend les choses humides. So, c'est sa nature. Is love. Et Dieu, comme and il est amour, God loves. Et parce qu'il est there's amour, nothing else. Il aime. You cannot change c'est naturel that. Pour he lui, is love. Comme l'eau qui rend. But your catechist taught you things that are not right. Mais votre catéchiste, qui sont les catéchistes ici, who, je les accuse. No, 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 I'm saying here, catechist here. The catechist didn't teach you right. Votre catéchiste vous a mal enseigné. Your catechist taught you votre catéchiste to vous a dit de vous comporter d'une certaine so manière God can accept pour que Dieu puisse so vous accepter, God can love you. Pour que Dieu puisse vous aimer. Huh? Hein? You become a good boy. Alors vous devenez un so bon that you garçon. Can go to the seminar. Alors vous, vous décidez like d'aller au séminaire. De là, je parle au Père Raphaël. No, non, God loves you. Dieu t'aime. En whether père. You are a priest que tu sois prêtre, or a married one, ou bien que tu sois un homme marié, tel que tu es, it is not your marriage, c'est pas ton or mariage, your ou bien ton appel love. Au clergé. He loves you Dieu t'aime juste, il t'aime déjà. C'est comme ça qu'il est. He told me il m'a dit to come and tell you de vous dire that he loves you qu'il vous aime very much. Tellement. There is absolutely nothing. Il n'y a absolument rien qui peut lui empêcher de vous aimer. Come with me to the desert. Alors venez avec moi dans le désert. Encore. Let's go to the desert. In the desert. Au désert. There in the desert. Vers le désert. There's nothing. Il n'y a rien. Absolutely nothing. Il n'y a rien, je vous le dis. You won't have to do anything. Tu n'auras rien à faire dans le désert. Il n'y a rien à faire. Tu n'as pas besoin de changer qui tu es au désert parce qu'il n'y a personne à te dévoiler. God mais Dieu is love. Parce qu'il est amour. And he loves you. Et il t'aime comme tu es. And because God is love, et parce qu'il est tellement amour par nature, he cannot do anything else but just il love. Ne peut rien faire d'autre que de vous aimer par nature. Let me see if I can explain this in another way. Essayez-moi voir si je peux trouver une autre manière d'exprimer you know cela. You have got commandments. Vous connaissez les commandements? The Ten Commandments. Les 10 commandements. You know why you have got choir? La you know we've got Ten Commandments. Vous connaissez les 10 commandements, la chorale? You know about the Ten Commandments. Vous connaissez les 10 good. Commandements? Très bien. We have got the commandments. Nous avons les commandements. Which tell us, qui do nous not dit, do this. Ne faites pas ceci. Do not do that. Ne fais pas cela.
It is because c'est parce que you and I parce que toi et moi are not able to love. Parce que nous sommes incapables the commandments d'aimer. Are trying to help us to love our neighbors. Les commandements sont en train de nous aider, nous être des frontières when pour nous aider say, à aimer nos prochains. Do not steal. Quand on me dit ne vole pas. Love your neighbor so much that you don't take what is his without asking. En fait, c'est que ces commandements vont te dire aime tellement ton prochain que tu ne cherches pas à lui voler ce qu'il a. When I say quand honor your father and mother, dit, honore ton père et ta mère. I am asking you ce que je suis en train de to dire, love your parents. Aimer tes parents. So you have got commandments. Alors les because commandements. Because you are poor lovers. Parce que tu es poor lovers. You are bad lovers. Vous êtes des mauvais aimants. Because you don't know how to love. Les mal aimants, les pauvres en amour. Parce qu'on est pauvre en amour. Merci. Pauvre en amour. You don't know how to love. Vous ne savez pas comment aimer. So I try to break it down in 10 commandments. Alors Dieu a dit, je vais mettre ça en 10 commandements so pour vous aider à aimer. To love. Pour que vous sachiez au don't moins do aimer this. Les gens. Ne fais pas ceci. Ne fais pas cela. Don't do that. Ne fais pas ceci. All I am trying to say. Parce que tout ce que je suis en train de dire, please, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Love. Aime. Aime. But you can't do that. Mais comme tu ne parviens and pas à le faire, blame you. Et elle dit, je t'en veux pas à cause de ça. You have never experienced it. Vous n'avez jamais expérimenté no. ça. Non. Not yet. Pas encore. You have not yet been loved. Vous n'avez pas encore été aimé. The way you should be loved. La manière que tu dois être aimé. There's no one so far. Il n'y a personne jusqu'à présent who has loved you. Qui vous a aimé. The way you should be loved. De la manière que tu devrais être aimé. Everybody else. Tout le monde. Loves you. Vous aime. The way. De la manière. They want to love you. Ils aimeraient eux vous aimer. That's why when he brings you chocolate. C'est pour ça quand il t'amène le chocolat. That's how I am loving you. Il veut dire c'est comme ça que je t'aime. That's how he wants to love you. C'est comme ça qu'il veut te montrer son amour. But they are not loving you. Mais il ne t'aime pas. You de la manière que toi tu devrais loved. Être aimé. No one has done that. Et personne n'a jamais fait ça pour vous de cette because manière. We go out to look for this love. Et puisque nous allons à l'extérieur chercher we ce genre. We apply our lives to looking for et, love. Et nous nous appliquons à chercher some l'amour. Some of you just came here tonight, like Dr. Terry, looking for girls. Et comme Dr. Terry qui allait chercher des filles à l'église. Looking for love. Parce que vous cherchez l'amour. Look at all that effort that you have applied. Regardez tout l'effort que vous faites en vous appliquant en cherchant look l'amour. At the wounds and scars et regardez that toutes les blessures que vous avez accumulées dans ce parcours. Le par nous a parlé aujourd'hui how d'un cœur brisé. Broken here. Regardez combien de gens ont été because brisés for love. Parce qu'on cherche l'amour. Hein? You are looking. Nous cherchons pas and you are wounded. Et nous sommes blessés. Some of you are even angry with me now. Because when I tell you that you are loved, you don't believe me. Because the four guys behind you told you that they loved you. Et c'est pour, see what they c'est pour ça que vous avez du mal à croire au message que je vous dis. Parce que vous avez tellement été blessé que quand on vous dit que je vous aime, vous pensez à toutes les personnes qui vous ont blessé avant dans la relation. You vous remember avez du that mal à lady croire. From high school? You remember? See what she did to you. Vous rappelez? Tu te rappelles ce que tu faisais à l'école secondaire? See now. So when I tell you about love, alors quand je parle de l'amour, oh, there's nothing like love. Oh, there's nothing like love. Oh, il y a never. Quelque chose. Oh, no, l'amour, no, ça n'existe pas. No. Ça n'existe pas, c'est des exagérations. Because you have not yet been loved. Parce que tu n'as pas encore été aimé comme no. il faut être. You have been searching. C'est pour ça que tu es dans cette wounded recherche. And wounded. Et vous passez des blessures en blessures. I met a 16-year-old girl. J'ai rencontré une jeune fille de 16 ans. Across the border here. She was 19, sorry. She was 19. 19 ans à la frontière. She was 19 years old across the border here. 19 ans à la frontière. She came for something. T'es venue pour quelque chose d'autre. And she said to me. Et elle m'a dit. Brother, they call me brother everywhere. Oh, partout on m'appelle frère. Brother, il dit frère. I am tired. Je suis fatigué. I am tired. Je suis tellement fatigué. I am tired. Je suis tellement fatigué. Of men. Des hommes. At 19. À 19 tired ans. Of men. 19 ans fatigué. Tired. Des hommes. Fatigué à 19 ans. At 19. À 19 ans. Tired. Pouvez-vous réaliser ça? Fatigué. I looked at the girl. J'ai regardé la jeune fille. She could see that I was surprised. Elle n'a pas réalisé que j'étais surpris. She said, brother. Il dit, brother, il est mon frère. They are all of them, all of them. Tous les mêmes, tous les hommes sont les mêmes. At 19. À 19. All of them are the same. Il dit, tous les hommes sont les mêmes. She's agreeing. They are all like that. Elle accepte apparemment. Les hommes sont tous les mêmes. Because mais vous savez, c'est pourquoi up to now,
No one has loved you the way you need to be loved. You are used. Tu es tellement habitué. Do something de faire quelque chose in order to be loved. En échange de l'amour. So when I'm telling you tonight, alors quand je vous dis aujourd'hui, that is nothing you need to do. Il n'y a rien que vous devez you faire pour être aimé, loved. Parce que vous êtes déjà aimé. Before you were, avant que tu many, existes, many years before you came avant to exist, même ton existence, he thought of you, il he a pensé à toi, you, il t'a désiré, you, il t'a créé, you, il t'a loved et il t'a aimé. As you, tel que tu es. And this love is not temporal. Et cet amour n'est pas temporaire. It is permanent. C'est un amour permanent. Permanent. Esaïe nous le dit. Huh? Je crois que c'est 54-10. Though the mountains, il dit si les montagnes may fall, tombent and the hills turn to dust. Et les collines deviennent de la poussière, my love dit, for you, mon amour pour my toi, love mon you, amour pour toi, shall not be moved. Ne pourra jamais être ébranlé. Et demeurera ferme. It cannot change. Il ne peut pas changer. Even if the mountains move, même si les montagnes peuvent bouger. The mountains may move. Il dit, les montagnes peuvent my bouger. Love for you mais mon amour pour toi will not change. Ne peut pas changer. But the man you have got, he says, mais, if you move this la personne place que tu as avec toi, il dit, what about a mountain? The day you move a mountain, you are dead. God is saying, Dieu dit, I must tell you, je dois vous dire, te dire, I'm going to fire. Last time. You know who I'm talking to? Avec qui je parle? I am talking to you. Je parle à toi. God says, parce que Dieu he dit, loves you. Il t'aime. Loves you because il he aime parce que lui, il est your father. Ton père. Whom does God love? Qui est-ce que Dieu aime? Whom does God love? Qui est-ce que Dieu aime? Me? Moi? Or you? Ou toi? Me? Moi? Whom does God love? Qui est-ce que Dieu aime? Me? Moi? I said you. Whom je does God vous. Love? We are used. Nous sommes habitués to pay back love. De to pay back to do something in de faire quelque chose en échange de l'amour. When you say you love me, quand vous dites je vous aime, automatically I want to love you back. Automatiquement je voudrais aussi réciproquer. Now listen carefully. Mais alors écoutez. My sister at the back there. Je parlais à ma sœur qui est derrière. The man on your right. L'homme à ta droite. He says to you. Il te dit. Let us be in a love relationship. Soyons dans une relation d'amour. Let us love one another. Aimons-nous l'un et l'autre. God is not asking you. Mais Dieu te demande pas. To come into let us love one another. Que on puisse entrer dans no. Aimons-nous l'un et l'autre. Tonight. Aujourd'hui. God is saying. Dieu te dit. Let me. Laisse-moi. Sister. Let soeur, me. Mes soeurs, love laisse-moi. You. Laisse-moi just allow t'aimer. Me. Please, I beg. Let tout ce que me je te demande. You. Laisse-moi t'aimer. I want to love you. The way you need to be loved. Je veux t'aimer de la manière put the rosary down. Que wait, tu as besoin. Sister, take a break from that novena. Tonight, just aujourd'hui, je sais que tu es dans trop des neuvaines, mais tout ce que je te demande aujourd'hui, laisse-toi aimer par moi. Stop all those things that you are doing. Arrête hold tout ce dont tu es, juste just pour give un me moment. A chance. Juste pour moi, juste just give me chance a chance à Dieu. Martha, les mères. You les worry about so many. Tu es inquiète de tellement Martha, de choses. Martha, sit down. Les sœurs, let me love. Laissez-moi, je vous aime. I want to love you. That's what I am. That's what les, I do. Les hommes, laissez-moi aussi. That's what I'm here for. Je suis là pour ça. To love. Pour vous aimer. He's begging you. Il vous supplie. Let me love you. Laissez-moi. I say what he said. He said there's no time to read the Bible, so I'll not alors, read. Comme il a dit, il n'y a pas le temps pour lire la Bible, alors je but je passe somewhere in the Bible, en donnant des textes, somewhere in the Bible, en paraphrasant, quelque part dans les Écritures, God says, les Écritures, I Dieu love dit, this one. J'aime bien celui-ci. Mm. He says, listen, care. Listen, you are listening. Est-ce que vous entendez? You are listening. Vous entendez? Look at me. Regardez-moi. All of you now. Yeah. Don't look at the blessed sacrament. Look at me. Il n'y a pas de blessed sacrament. Regardez-moi. Okay.
He says, je dis, just like a hen, tout comme la poule, just like a hen, tout comme la poule, gathers her brood under her wings, cherche à rassembler ses petits autour de ses ailes. So would I have loved. C'est la même manière que je voulais, j'ai aimé. So would I have loved. C'est pour ça que j'aurais bien voulu aimer de vous rassembler vous aussi. See a hen. Back in the village there. Essayez de visualiser une poule. Comment il prend ses petits poussins autour de ses ailes. And God says, that's how I would have wanted to do et Dieu to dit, c'est comme ça que je voudrais moi vous aimer. I wanted to come into my arms, je voudrais into que my tu embrace. Viens, que tu entres dans mes bras. Come and receive this warmth. Viens come, et reçois come into my cette arms. Chaleur. He is desperate for that love. Et c'est cet amour and désespéré he goes on to say qu'il voudrait. Et il continue à dire, the more I came towards you, il dit, plus je me tourne vers toi, the more you run away from et plus tu t'enfuis et tu t'éloignes de I am moi. Coming with love. Et il dit, je viens avec l'amour. Et toi, tu fuis loin this de is moi. Why you are wounded like c'est pour that. Ça que vous êtes blessé comme ça. This is why you are broken like c'est pour that. Ça que vous êtes brisé comme ça. Why are you going? Où est-ce que vous partez? Where où? Où? Pourquoi vous fuyez? Papa, Papa, où est-ce que tu fuis? I am coming to you with love. Je viens vers toi avec amour. Unconditional love. L'amour inconditionnel. Laisse-moi t'aimer. And you are going to that woman for et love. Et toi tu fuis. Tu cours vers ton épouse. The woman you are going, expecting her to give you love. De te donner cet amour. She's also looking for love. Elle aussi, elle est à la recherche de l'amour. She comes to you for love. Et il vient vers toi pour l'amour. To her for love. Et toi aussi, tu vas vers elle pour l'amour. Need love. Et vous devez and à la recherche de l'amour. Get it between yourselves, et parce que vous ne pouvez pas you trouver. Are quarreling and making more et children vous commencez à vous quereller. No love. Et à tellement de difficultés parce que vous êtes tous des chercheurs d'amour. If you want to give her love, si vous voulez vraiment donner come l'amour, to me. Venez let's vers go moi. To the desert. Allons ensemble I'm dans le désert. To pump you up with et love. Je veux te remplir d'amour. And when you come from et there, quand tu viendras you du will désert, be glowing tu seras rempli d'amour. I tell you, à ce moment-là, come with me tu viens to the desert. Viens vers le désert. For I parce que moi, am your God. Je suis ton Dieu. I moi, am your Father. Je suis ton Père. I know it's difficult to believe. Je sais que c'est difficile de foi à croire. This is a new gospel. Ça semble être un évangile nouveau pour certains, où on pense que ce n'est pas évident. On n'est pas habitué à ça. But I mais moi, love you. Je vous aime. Let me love you. Laisse-moi t'aimer. Not look at yourself. Ne faites pas une introspection, ne vous regardez pas vers vous-même. But look at me. Mais regarde-moi. I am inviting you to this love. Alors je vous invite dans cet amour. This love is free. Et cet amour est gratuit. I am repeating myself. Je sais que je me répète un peu. Because it is important. Parce que je sens que c'est très important because que vous saisissiez I know cela. It's hard to believe. Et parce que des fois c'est difficile de croire but à ces you choses. Do not have to do anything. Mais je voudrais encore insister que vous n'avez pas à faire un acte for God pour to que love. Dieu puisse vous aimer. He already loves. Parce qu'il vous aime déjà. You cannot increase his love vous ne pouvez pas faire accroître son amour pour you vous. Cannot decrease his love. Et vous ne pouvez pas non plus le décroître. He is complete love. Parce qu'il est déjà amour complet. So he loves. Alors il vous aime. When it rains, quand il pleut, when it rains, quand il pleut, you get wet. Vous vous mouillez. Whether you prayed for the rain, que vous priez pour la pluie, whether you want the rain, ou que vous voulez la pluie, or you don't want the rain, ou que tu ne veux pas la pluie, it will rain, quand il pleuvra, and it will be wet. Et vous serez mouillés. Such is your God. Et tel est Dieu. That's love. Il vous aime. Whether you love him back. Que tu l'aimes en retour ou pas. And I feel pity for those who have joined religious life in order to love God. Et pour ceux qui ont cherché à embrasser une vie religieuse pour aimer Dieu, je les ai pity. I feel pity. Je sens de la tristesse pour eux. When you apply to medical school, quand vous appliquez en faculté médicale, let me make it simple. When you apply to a teaching college, ou quand vous appliquez pour enseigner dans une école, and then they send you a letter of reply. Et on vous répond. And the letter says you have been admitted. Et que la lettre dit vous avez été admis. What do you do with that letter? Qu'est-ce que vous faites avec cette lettre?
Do you run to the nearest primary school and say, look, look, I've got a letter of admittance, now I can start teaching? Est-ce que vous partez dans l'école la plus proche et vous montrez la lettre d'acceptance et dit que je suis permis d'enseigner? Where do you take that letter to? Ou bien où est-ce que vous amenez cette lettre? Non. You take it back to the college. Vous ramenez ça au collège. Because they are the ones admitting parce que c'est eux qui vous acceptent. And they are admitting you et ils vous acceptent in order to impart upon you pour pouvoir vous transmettre what you need for the outside. Vous avez besoin pour le futur. Come. Alors venez. Come to the desert. Venez au désert. Receive this love. Recevez l'amour de you Dieu. Need it. Car vous en avez besoin. Don't leave this room tonight. Ne quittez pas ce lieu aujourd'hui tell someone that I love you. Pour aller dire à quelqu'un d'autre no. que vous aimez. Non. No. You will not give them the love. Vous n'allez jamais leur donner l'amour approprié. Come with me. D'abord, venez to the desert. Au désert avec Dieu. And in this desert, et dans ce désert, you will receive love. Vous allez recevoir l'amour. Abounding love. Un amour abondant. The love that transforms you. Et l'amour qui transforme. I know this love. Je sais et je connais cet amour. I have been there. J'ai été là. Besides being sent to girls when I was young, en dehors d'avoir été envoyé chez les jeunes filles quand j'étais petit, I was also bullied. I was bullied. Oh, j'étais aussi menacé, malmené. I was a bit taller than my age mates. J'étais un peu plus grand que la plupart de mes collègues. I was not good at football. Et j'étais pas très bon en football. I was not good at fishing. Et j'étais pas non plus bon à la pêche. So they called me tall for nothing. Alors on m'appelait tu es grand pour rien. I was not good at doing girlfriends. J'étais pas non plus bon à avoir de petites amies. So they would say to me. Alors ils me disaient. You are always with girls. Toujours avec des jeunes. But you don't even have a girlfriend. Même pas une tall for nothing. Tu es c'est pour rien. And then I came. Et alors je suis venu. I came out to the desert. Je suis allé au désert moi aussi. I met this man. Et j'ai rencontré cet homme. This one man. Cette personne. It made me understand. Il m'a fait comprendre. I invite you to see this man. Et je voudrais qu'aujourd'hui vous le rencontriez aussi. I invite you. Je t'invite. Yes, je t'invite. Oui, je t'invite. I invite you. Je t'invite. Come with me. De venir avec moi. On our way to the desert. Vers le désert. There is a well there. Il y a un puits. Il y a un puits. And you tonight. Et toi aujourd'hui. I'm meeting this man. Tu vas rencontrer cet homme. You're meeting this man at the well. Tu vas rencontrer cet homme au you puits. You tonight. Toi aussi aujourd'hui ce soir. You remember what is behind you? Vous vous rappelez qu'est-ce qu'il y a derrière? How many husbands have you had? Combien? You remember that story at the well? Vous vous rappelez l'histoire de how many husbands have you had? Combien de maris avez-vous? And even the one that you have. Jusque même la personne même que tu as aujourd'hui. It's not even yours. C'est même pas le tien. Est-ce que je dis? Five. You have had. Derrière. Now. Et même celui que you tu have as one. Et le celui five que tu as. Five plus one is six. Donc cinq plus celui que tu as aujourd'hui. Come with me to the desert. Alors, comme elle, venez au désert. Venez au désert. Because in the desert, parce que là, au désert, after your six men, après tout, les six hommes derrière, you'll meet another man. Vous allez rencontrer un autre homme. But after this man, mais après lui, there will be no other man. Il n'y aura plus d'autre because personne. This is the man that you are parce que c'est l'homme que tu cherches réellement dans ta vie. And he tells me that this conference is the power of testimony. Et il me dit, cette conférence est une conférence de puissance. After meeting this man, quand vous allez rencontrer cet homme, remember the woman at the well. Rappelez-vous de la femme au puits. She runs back to the village. Elle court elle-même vers le village. Entire village. Et il va dire à tout le village. The power of testimony. Et vous allez découvrir la puissance du after témoignage. After this man, parce qu'après avoir rencontré you won't cet need homme, another man. Vous n'allez plus besoin d'un autre homme. Let's conclude this way. Je voudrais conclure de cette manière. I want you to compare. Je voudrais que vous compariez. The man that you love. Faites une comparaison. La personne que vous aimez. Against the man who loves you. Avec la personne qui vous aime maintenant. L'homme the qui one vous aime, you love, celui que tu aimes and the one who loves you. Et celui qui t'aime. I have not written anything j'ai encore rien écrit in the column where, dans le programme where I have the man that you love. Je mets une colonne qui est vide because I don't know him. De la personne que the one you, la personne que tu aimes. C'est à vous de le remplir. The man that loves you. Mais je vais vous dire plutôt la colonne que j'ai remplie de la personne qui vous aime. Il dit dans Jérémie 31. I love you. Je t'ai aimé. I have loved you. Je t'ai aimé. With an everlasting love. Avec un amour éternel. I have loved you. Je t'ai aimé. With a love. Avec un amour that has no end. Qui n'a pas de fin. I am loving you. Je t'aime.
with love, avec un amour that is endless, qui n'a pas de fin. You can compare that maintenant, with the man, vous pouvez comparer avec la personne que toi tu aimes. And he says, et il dit encore, so, my love for you remains forever. Et c'est pour ça que mon amour pour toi demeure éternellement. Isaiah 43. Ésaïe 53. I created you. 43. Il dit, je t'ai créé. I am your father. Je suis ton père. I wanted you. Je t'ai désiré. I desired you. Je t'ai désiré. I molded you. Je t'ai façonné avec amour. You know, even the people that are very, very close to you. Vous savez, même les personnes qui sont très proches de vous. They love you, but they are things that they are not happy with. Ils vous aiment, mais il y a des choses qu'ils ont du mal à accepter de vous. My wife loves me very much. Mon épouse m'aime beaucoup. But she's always begging me. Mais souvent, please put on a bit of weight and be like Dr. Jerry. Toujours, quand tu as besoin de grossir un peu, c'est plein toujours de mon poids, de mon physique. Tu es trop mince. But I can't. Je ne peux pas, j'essaye, mais je parviens pas. I'm trying to eat. I can't gain weight. Je mange, j'essaye de gagner du poids, mais ça ne tient pas. I am one of those few people who eats anything. Je suis de ces personnes rares qui mangent un peu de tout, mais ne parviennent pas à grossir. But my poor wife. Mais ma chère épouse, ma pauvre femme. Yeah. Anyway. Bon, vous avez compris. God says, I called you. Mais Dieu lui dit, je vous ai appelé. I called you by name. Je t'ai appelé par ton nom. I know you. Je te connais. I have a personal relationship with you. Je veux une relation personnelle avec toi. I redeemed you. Je t'ai sauvé. You belong to me. Tu m'appartiens. You are my child. Tu es mon enfant. I protect you. Je te protège. I remember also those who have got scars here. Je sais des pensées à ceux qui sont blessés, qui ont accumulé des blessures. They failed to protect you. Et ces personnes qui vous ont aimé ne vous ont pas protégé. You are precious to me. Tu es précieux aux yeux de Dieu. He says, I give up nations. Il dit, j'abandonnerai même, je livrerai même des nations. I give up nations. Je livrerai même des nations. In exchange. En échange. In exchange of you. Pour toi. I want you. Parce que c'est toi I'm que je veux. To give up anything. Et je suis prêt à tout abandonner. Amen. Amen. God says. C'est ce que Dieu dit. I can give up anything. Je suis prêt à tout abandonner. For your sake. Juste pour toi. Let's go to the desert. Come with me to the desert. Venez avec moi dans le désert. Just put your books away. Maintenant, put on peut fermer away, nos Bibles. And relax. On veut maintenant. Come with me to the desert. On veut vraiment entrer maintenant dans cette présence de Dieu où on marche avec Dieu dans le désert. This God who is so desperate to love. Et ce Dieu qui est tellement désespéré pour aimer. Those who are younger, ceux qui sont plus jeunes. At least in South Africa, hear them say. I wanna know what love is. Il dit par exemple les jeunes en Afrique du Sud, ils aiment bien chanter cette chanson. You know that choir, yeah? C'est cette chanson, la chorale, hein? I want to know what love il dit is. Je veux savoir c'est quoi l'amour. And I know you can show et je suis sûr que tu peux me montrer ça. So I have come. Alors je suis venu. Here I am. Alors je suis là aujourd'hui. And today I'm coming. Et aujourd'hui je I know it's a risk. Je sais que c'est un Because risque. I have given myself to someone before. Parce que je me suis déjà donné it à quelqu'un disaster. Et j'ai été déçu. Je sais que c'est un risque. But I'm coming. Mais je viens encore. Here I am. Je suis là. It has been the presence of the Lord. Alors, entrons maintenant dans la présence de Dieu. God is right here. Dieu est ici avec nous. Love is right here. Et l'amour est ici avec the Spirit nous. Of God is right here. Et l'Esprit du Seigneur est ici I avec want nous. To go deep into your heart. Je voudrais que vous alliez profondément dans votre cœur. Deep into your heart. Allez tout droit dans, va tout droit dans ton Just cœur. Just clear some space for God. Et crée de l'espace dans ton cœur pour Dieu. I need you to pull out some things there. Je voudrais que tu puisses te débarrasser de quelques choses. Let us begin qui with those experiences that disappointed Dieu dans ton cœur. Those experiences that disappointed you. Toutes ces expériences qui t'ont fait mal. Yes, remember that John there, John and James. And Margaret and Lucia, those people that disappointed you. Rappelez-vous just de toutes ces personnes qui vous ont déçu. Vous connaissez les noms, tous ces noms. And look, I am not going to show this video to anyone. Ne vous en faites pas. So you pas can speak cette vidéo. And say, Lucia, I pluck you out of my heart. Go, I don't want you anymore. Hein? Jeremiah, out of here. Il dit, hein? Ici des noms. Je ne veux pas te donner la place dans mon cœur. Jean-Pierre, out. Jean-Pierre. Jean-Baptiste, out. Jean-Baptiste. I want you to go into your heart. Je veux que vous allez dans votre cœur, vous vous débarrassez de ces personnes qui vous bloquent d'accepter l'amour de Dieu parce que Let's vous la comparez toujours. Let's make room for the Lord. Pour qu'on fasse place au Seigneur dans notre cœur. So attached, quelque chose, la chose qui fait que tu t'attaches tellement. Something that you say, this is the love of my life. Cette chose que tu dis, c'est vraiment l'amour de ma vie. That is the first.
Ça, c'est le premier endroit où tu devrais commencer à te débarrasser. In the silence of your heart. Dans le silence de ton cœur, commencer à faire ce travail interne. Parce que quand je te dis, je t'aime. When God tells you, I love you. Je te dis, je t'aime. When God tells you, when I say, I love you. Quand je te dis, je t'aime. When I say, I love you. C'est que je t'aime. That means, I love you. Crois-moi. Crois-moi. Believe me. Je t'aime. I love you. C'est ça. That's it. Je t'aime. I love you. Heavenly God and Father, I want to thank you. Seigneur, je voudrais te remercier. I thank you, Heavenly Father. Je te dis merci en ce moment. I thank you for this time. Je remercie pour le temps que nous avons. I thank you for this place. Je te remercie pour ce lieu. I thank you for your child that is here. Je te remercie pour ton enfant qui est ici. Lord, I want to offer them to you one by one. Je voudrais te les offrir un par un. I give you your son today. And I surrender your daughter unto you today, Lord, one by one. Et ta fille aujourd'hui, you know their deepest heart desire, Lord. Tu connais les désirs profonds de leur cœur. You know what they've desired mostly in their heart, qu'est-ce qu'ils veulent personnellement dans leur cœur. And today they're here for you. Aujourd'hui, il est là pour toi, Seigneur. Yes, Lord. Seigneur. You are God who is true. You are God who is faithful. Tu es Dieu qui est bon. You are God who does not disappoint. Et tu es le Dieu qui est fidèle. You are God who is faithful. You are right here now. Avec nous, qui nous abandonne pas. Come. Alors viens, come Lord, viens, and show your love. Et montre ton amour. Come Lord, viens, Seigneur, and show your love. Et montre ton amour. Come Lord, viens, je t'en prie. Into each heart, Lord. Chaque cœur parle à chacun. Yes Lord, oui, into Seigneur, every heart. Lord. Chaque personne ici, je t'en supplie. Come Lord, viens, Seigneur. Put this heart together. Mets ces cœurs en ordre. Guéris les cœurs qui sew sont affligés. Repair it, répare, it, Lord. Seigneur, les cœurs qui sont brisés. Réunifie. This heart is full of fear, oh Lord. Ce cœur rempli de fear crainte of life, et de peur, fear of you, de, fear de of vie, love. Come, Lord, replenish this heart futur, with love, oh Lord. Viens, Seigneur. Come, viens. Pour ces you are God. Car you have told Dieu. That when we call upon you, you will answer us, oh Lord. And I'm calling upon you, Almighty God, in the name of Jesus. Come, Lord, viens, je supplie, viens. Come and minister your grace viens to this heart. Ces personnes dans leur point minister de yourself to this heart. Viens toucher le cœur et les vies de ces personnes. Oh, viens, Seigneur. Come, oh Lord. I invite you. I invoque your name, oh Lord. J'appelle I invoke your presence, Lord. I invoke your love. Fais appel à ton amour. Viens, Seigneur. En ce moment, on s'offre à toi. I'm going to invite you to be quiet. Let the choir only sing. As for you, just be quiet and let God minister. Je vais demander, à l'exception de la chorale qui peut continuer à chanter, mais les restes dans ce lieu, soyons your heart, calmes, open your life. Silencieux, soyons ouverts et réceptifs. God knows you more than anyone else. Dieu te connaît plus knows mieux what your que life quiconque. Is like. Et il connaît receive the love of God. Alors reçois son amour maintenant. Let him touch that heart. Laisse-lui toucher cette partie de ta vie qui est blessée. Come and minister your love to me. Viens montrer ton amour encore dans Lord, I stand before you today. Je suis à ce moment debout I regret the many paths I have taken, oh Lord. Et je présente where I have sought love. I regret the many exercises, Lord, that I have carried out in order to obtain love. Oui. I regret the loss of time and money and energy and resources, oh Lord, in search of love. Je ne te suis pas. Here I am, Lord, I open my life unto you. Là. I open my heart unto you, Lord. J'ouvre mon cœur. Do as you please. Fais ce que tu veux de ma vie. Do what you want with me. Fais ce que tu veux de ma vie. I have always desired this love. J'ai toujours désiré ça. Fill me with your love. Désiré cet amour. Alors, fill me with your love, Lord. Fill me with your love. Remplis-moi. I need it, Lord. Car j'en ai besoin. I need you, Lord. J'ai besoin de toi. I need you. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. My cares and burden onto you. Le
We worship you, King of Glory. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Open your hearts and begin to experience the powerful love of God. Some of us have not been loved. Some of us, we have wounded hearts. But he's here to love us. He's the only one with the true and ever-loving love. His love has no end. Open your hearts to the love of God. Receive the love of God. Receive the true love of God. Receive the true love of God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. You don't need to love him back. You don't need to pay anything. It was paid for you on Calvary. It was paid for you on Calvary. He paid the debt that you could not pay so that you may live. Receive the love of God. Riba kayandere rebosa kayandara. Oh yes, Lord Jesus. We worship you. Open your hearts to the love of God. Open your hearts to the love of God. Open your hearts to the love of God. He's here. He's here present with us. Open your hearts and receive his love. It was already paid for you on Calvary. And because he lives, we can face tomorrow, no matter what tomorrow holds for us. Receive the love of God. Receive the love of God. Riba kayandere bosa kayandara. So tori bori yandere maaya bosa kayandara. So koyanda borika masaika. Hori yandere masoro bosa kayandara bosa kayandara. Oh, we worship you, Jesus. Yes, Lord Jesus. Vana veni vakamirira rudo rwenyu mutsvene makatendeka. Imi munorudo rwodarika rudo rwomunhu mutsvene weIsraeri. Tiitirai zvakanaka Mesiya mamirano. Sanganai nesu nenzira inoshamisa. Tiitiraiwo zvakanaka Jesu. Yes, Lord Jesus, we worship you, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the I am that I am, the God who was, the God who is, the God who is to come, the unchangeable God, the unshakable God, the mighty man of all, the great I am. We need you, Jesus, right now. We need you, Jesus. Rika yandere bo sakayandara. Soko yandabo rika masaika. Hori yandere masororobo. Rabaka yandere bo sakayandara. Riketere bo sakayandara. Hori yandere masororobo. Oh yes, Lord Jesus. We are in the door when you mutsene makatendeka. Vazhinji vakadimuka moyo mari. Vazhinji vakarwadziswa mutsene. Vanoda rudo rwenyu mutsene makatendeka. Yes, Lord Jesus. Let them receive your love, O God. Let them receive your love, O God. They are broken hearts here, O God. Some of us, our hearts are bleeding because we have been wounded. We have been cheated, O God. They said they loved us, but they did not mean it. They said they loved us, but they broke our hearts. Lord Jesus, we are here to receive your love, your genuine love, your true love. Receive, receive it. Receive the love of God. Receive the love of God. Receive the love of God. In the name of Jesus. The true love of God. The love that never fails. The love that has no end. The love that surpasses all human understanding. Oh yes, Lord Jesus. Imi makanaka. Makanaka Jesu. Makanaka Mesia. Muno shamisa mari. Muna masimba. Tinokudai Mesia, tinokudai Jesu. Onekwa ine nzira inoshamisa panzvimbo ino mari. Onekwa ine nzira inoshamisa Mesia. Makambozviita mari. Makagamuchidza vana venyu vakadimuka mutsvene. Zviite zvakare munguva yedu mutsvene. Yes, Lord Jesus, we need your love. We desperately need you, O God. And we believe and know that it is in you that broken hearts are mended. And you are close to the broken hearted, O God. Some of us, our hearts are in pieces, O God. We pray that you may mend them.
Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. 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 We need your love, Jesus. We need you once again, oh God. We need your touch once again, oh God. Touch us once again with your gentle touch. Touch us once again, oh God, with your loving touch. Oh, Rakayandere Mosa Kayandara. Sotori Moriandere Mahaya. Rika Masai Kama Sotori Moriandere Mosa Kayandara. Sokoyandere Mosa Kayandara. Moriandere Mahaya. Riba Kayandere Mosa Kayandara Mosaka. We worship you, Jesus. We thank you, Jesus. We acknowledge your holy presence, oh God. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Fill us with your love. Fill us with your love, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Alors, je voulais inviter maintenant les gens un par un, ceux qui veulent de leur propre volonté que nous puissions prier avec eux, de s'approcher. J'aimerais prier avec vous un par un en imposant les mains. We are not praying for physical healing. Nous ne prions pas en ce moment pour la guérison physique aujourd'hui. We don't come to me and ask me to lay hands on you to pray for your mother who is not here. Et je ne veux pas prier pour des personnes, par exemple, qui ne sont pas ici à distance. We are doing an impartation of the love of God. Nous, pour le moment, ce qu'on veut faire, c'est que les gens puissent expérimenter l'amour de Dieu maintenant. C'est ça le point focal de ce soir. We are in the presence, the powerful presence of God. Nous sommes dans la présence merveilleuse du Seigneur et puissante. It may happen. Il se peut que that when we are praying quand for you, on prie pour vous, you feel some movements in your body. Que quelque chose se passe physiquement, ça peut you arriver, ou une guérison and you physique, feel like falling, et vous peut-être sentir que vous commencez à perdre l'équilibre, like ou vous voulez pleurer, vous sentez vos émotions deviennent troublées, ça peut arriver. Remember, you are with me. We are alone in the desert. Nous sommes ensemble avec au Let désert seul. Ne vous en faites pas. Vous êtes seul au désert avec Dieu. You are safe here. Vous êtes you en safe. Sécurité. If you're going to fall, ne vous en faites pas si vous sentez que on sera là pour vous protéger. Si vous sentez que la joie veut exploser, laissez vos émotions se manifester. Vous êtes là avec Dieu, vous-même, and chacun. The reward of this process is et, great. Et la récompense de cette traversée avec Dieu, if you vous don't allez feel le voir. Anything when we are praying for you. Et si vous ne sentez rien quand on prie pour vous aussi, trust God. Faites juste confiance à Dieu. C'est une marche God de foi. God does more than what you feel and more than what you see. Car Dieu sait que ce qu'il fait en vous est bien au-delà de ce que vous sentez. Amen. Amen. So you will come one by one. Alors un par un, ceux qui veulent recevoir un moment de prière. If there's something specific that you want to surrender, et vous avez un besoin spécifique you que vous voulez, it to any of us. Vous pouvez vous approcher à l'un de ceux qui vont être ici devant pour pouvoir prier avec vous. Okay, I have a special love for something, an addiction of some kind. Il dit j'ai un problème, un besoin, et je suis fatigué de ça, je ne parviens pas à m'en délivrer. Okay. Ou j'ai besoin dans ces côtés, j'ai besoin d'une guérison. We can pray with vous pouvez me dire, nous les dire en privé, et nous allons prier avec vous pour que le Seigneur fasse quelque chose dans votre vie. Je vais ajouter quelque chose. I would like to add something. Le Seigneur est déjà là. The Lord is already here. Il est en train de se mouvoir. And he's already starting moving among us. Lorsque vous venez, when you come, venez d'abord avec cette attente que le Seigneur va vous rejoindre. Come with that expectation that the Lord will come and meet you in your place of need. Et lorsque vous venez, and when you come,
Vous ne venez pas chez nous. You don't come to us individuals. Fixez votre attention sur Keep your eyes on Jesus. Nous allons faire la même chose. We will do the same because we will also keep ourselves our eyes to Jesus. So we ask you to do the same as we will be doing. La Bible dit dans Romains chapitre 5 verset 5, in Romans 5, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. That the love of God has been poured out on our hearts par le Saint-Esprit qui nous a été donné. By the Holy Spirit that has been given to us. Ce qui va se passer maintenant, so what's going to happen to c'est now, déjà une expérience du baptême dans l'Esprit. It's already qui va commencer. A facet of the experience of the baptism with the Holy Spirit. Et qui va s'approfondir demain. And which will go deeper now tomorrow. Et donc venez en vous attendant à être touché par so le Seigneur. So come with the expectation for the Lord to move with you in that. Those who want prayer. On m'a demandé quelque chose de clarification qui est bon. Vous n'avez pas besoin, vous pouvez mettre, soit vous attendez ou vous venez à la ligne et ils vont prier pour vous un par un, pour ceux qui veulent ce moment de prière. Yeah.
Que j'ai dit, that he said, qu'il a dit, he loves you, qu'il t'aime, so you can au singulier. You can say it. Vous pouvez le lui dire. Brother Nesbitt, il dit, le frère Nesbert told me, m'a dit, that you said, que tu as dit, that you love, que me, tu m'aimes. For those of you, pour ceux d'entre vous, who had a special encounter in some way or other, celui qui a peut-être eu une rencontre particulière aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre. It's only the beginning. Je voulais juste vous dire que c'était l'introduction aujourd'hui. It's an ocean of love. Parce que l'amour de Dieu, c'est comme un océan. What there is to come, parce que ce qu'il y a à venir, as scripture says, comme les Écritures les disent, is more than you can ask for, et au-delà de ce que vous pouvez demander or ever imagine, ou même penser, there is much more. Il y a toujours plus dans la présence de Dieu. Tomorrow, alors demain, there will be more. Il y aura encore plus demain. Tomorrow is our liberation day. Parce que demain, c'est notre jour de libération. It's our independence day. C'est notre jour d'indépendance. Tomorrow, demain, freedom day. It's freedom day. Please come. Je vous en prie, venez. Please come. Je vous en prie, venez demain. What you have received today, parce que ce que vous avez commencé à recevoir consolidated tomorrow, va être affermi demain. You will come. Vous allez venir. Tell your family. Dites à votre membre de famille, I said, que je vous dis, that you must come, que vous devez venir, que personne ne vous empêche de venir. Ok. Brother said we must come back to church. Ça veut dire que le frère nous a dit de revenir demain à l'église. If they have any problems, they should talk to me. Si ils ont un problème avec vous, qu'ils viennent m'en parler. So tomorrow will be a special day. Demain c'est vraiment un jour spécial pour être sérieux. Besides the praising, the worshiping, on ajoute à la louange dans laquelle nous étions and aujourd'hui. And the powerful teaching by the Reverend Sister Olivia. Et il y aura aussi une prestation très forte qui viendra de la sœur Olivia demain. Yes, I think there will also be another teaching by Brother Nesbitt. Et puis, bien sûr, le frère Nesbitt aussi va en parler parce que demain il a un sujet spécial sur le baptême du Saint-Esprit. We are also going to have an opportunity to go to confession. Et il y aura aussi l'opportunité demain, je voudrais souligner ça, pour la confession, le sacrement de réconciliation. Tomorrow's confessions will be different. Mais demain, ça sera un peu différent. Tomorrow, Father. Demain, le Père, Father Raphael, tell all the priests who are coming to hear confessions.
d'informer à tous les prêtres qui viendront écouter it la will confession, not be the usual confession. Parce que ça ne sera pas des confessions habituelles. They must have armchairs, the priests. Ils doivent être sûrs d'être bien soutenus because quand the confessions ils vont écouter. Will be so big. Parce qu'il y aura des profondes... Some priests are going to fall tomorrow. Parce qu'il risque d'avoir des prêtres qui peuvent so entomber s'ils écoutent certaines choses qui vont être dites. Il dit qu'ils puissent venir vraiment préparer pour that pouvoir one, aider which was never les, done les properly besoins. Before. Parce que ceux qui n'ont peut-être jamais fait de bonnes confessions demain, que demain on les encouragera à faire une très bonne confession. Those of able to go for confession, pour ceux qui ne pourront pas avoir part au sacrement de réconciliation demain, those who are not even allowed to parce go que peut-être ils ne sont pas encore permis d'avoir part au sacrement de réconciliation, we will be here. Il y aura une opportunité de cure d'âme. We will sit down and talk. Et nous allons avoir ce moment de tête à tête avec eux aussi. Yes, in French it's tête à tête. Hein? Nous aurons une tête à tête. Face to face. Face to face. Yes, one on one. Un à un, on aura yes. aussi l'occasion de so vous servir, même si vous ne pouvez pas aller vers un prêtre demain, talk. Pour des raisons différentes. Okay. Et nous allons parler et nous allons prier. We are still in the desert, a heart to rappelez-vous, heart nous sommes toujours dans le désert, dans le secret du désert, pour que nous puissions avoir... un cœur à cœur, une conversation. Today we're only preparing the aujourd'hui, c'était un moyen de déblayer le chemin pour nous. Just what you see on the surface. Ce que vous avez vu au-dessus, c'est qu'on enlève un peu les choses pour tomorrow préparer we are le chemin. In the land. Alors demain, maintenant, nous allons commencer plant, à faire le bon travail plant on the surface. De fondation. Tomorrow on va aller au-delà de la surface parce qu'on est obligé d'aller en profondeur. We want to go deep down there. Parce que nous voulons aller en profondeur. Because we want to plant. Parce qu'on ne peut pas planter en surface, on what doit planter en profondeur. Give us fruit that parce que ce que nous allons planter portera plus tard de fruits et il doit être soutenu avec les racines profondes. So please come. Alors nous vous invitons de venir et de répondre à notre invitation. Some of you have already started sharing deep things. Certains d'entre vous ont commencé à expérimenter certaines choses et l'heure de demain, on me rappelle, ça sera à 10h du matin, ne ratez pas. Given the time. Yes. Okay. So that's the time that we start tomorrow. That we started. At what time? 10 a.m. 10h. 10 a.m. Let me explain it. Laissez-moi. One second, please. 10 o'clock in the morning. Donc ça sera à 10h du matin dans la salle adjacente à If it is difficult for you. Si c'est difficile pour vous de venir tôt à 10h. If it is difficult for you. Si c'est difficile pour vous. Okay. You can come. Vous pouvez venir. Anytime. Après, quel que soit le temps. Before. Avant 10. Avant 10h. Yeah, because if I tell you 10 o'clock, you want to choose your own time. Just choose your own time before 10, anytime. Pour vous aider à ne pas dépasser leur choix, je vous donne la permission de choisir n'importe quel temps que vous voulez, tant que c'est avant 10h. Ok. Ok, on est en accord. You choose your time. Choisissez le temps qui vous before est avantageux, mais que ce soit avant 10h. Mais l'heure du commencement, c'est 10 heures dans la salle adjacente, la salle de conférence, juste so, ici à côté. For coming tonight, thank you very, alors, merci very à tous much. Ceux qui sont venus aujourd'hui. Merci, merci beaucoup de votre participation. What the Lord has started, ce que le Seigneur a commencé à faire he avec will vous, bring it to completion. Il va l'amener, il va le compléter demain. And this young choir, et cette chorale que vous avez entendue aujourd'hui, I think next time I should bring them to America's Got Talent. Je devrais les amener. Thank you. Parce qu'ils ont du talent. Merci à la chorale qui nous ont bien aimés. Father, a blessing. On va demander au Père Raphaël de nous donner sa bénédiction paternelle. Merci Nesbet. Je ne savais pas que tu comprends le français. Thank you to Brother Nesbet. I didn't know peu. That you hear French. Yeah. I like that. Donc, nous disons encore une fois merci au Seigneur I say again, thank you to the Lord, qui nous a fait vivre des moments de libération, that is allowed us to have some moments des moments of liberation. De consolation, they were also strong moments of consolation, des moments d'inspiration, it's also times of to be inspired in des presence. Moments de début de réconciliation, also a new walk of reconciliation. Demain, il y aura aussi un ministère de compassion. Tomorrow there will also be a time for compassion. Si vous avez un membre de la famille qui a besoin qu'on prie pour eux, if you have member of family who needs prayer, soit vous pouvez, si c'est possible, hein, vous pouvez l'amener ici ou bien bring the amener une intention or, ici or demain. Bring the intention on the behalf of the person if he cannot come by himself physically. Oui.
Parce que Dieu peut guérir même étant loin. Because the Lord is always capable to do beyond even from a distance. Nous voudrions que la force du Seigneur vraiment habite dans nos familles. Because we want the power of the Lord to also rest in our families. Et que Dieu agisse dans nos familles. So that the Lord may work in our families. Que nous puissions découvrir son amour. And that we may discover the depth of his love. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et que la bénédiction du Seigneur descende sur vous et les vôtres et y demeure à jamais. Amen. Merci beaucoup. Bon retour chez vous. À demain. Thank you to all. See you tomorrow. Merci.